Salut à toi Suze! Ouais, ce soir je suis avec le père Polop, dans la d'Andalis dans les parages. Et je crois que Gabriel travaille aussi donc c'est. Vous allez devoir me supporter tout seul. Ah, Je ferais bien de couper l'arrière-plan de Marcel, voilà. Comment vas-tu Suze? ça je suis pas complètement tout seul enfin, ça est... même si euh, le berbolop m'a toujours quand même l'air d'être la, la chambre d'écho de ma psyché euh, d'une certaine façon un certain art de me renvoyer à moi-même c'est la part de moi qui, euh, qui sait se taire hélas pour vous, généralement, elle se terre. Tu vas... D'accord, tu vois. Tu es toujours dans tes... Euh, de, de la difficulté à, à traverser. Salut Guillaume, comment vas-tu Ce changement de dosage, c'est difficile, ça a des effets... Euh, difficiles à gérer sur ton humeur. Et cette boîte d'allumettes, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah là là. Bah, je suis con, j'allume mon allumette, alors que je n'ai pas coupé mon cigare, pas très malin. Ouais. Ça a des effets chelous. Ouais. Bah, merci Clint en tout cas pour euh, tous tes renseignements sur euh, ce dispositif euh, de table de mixage virtuel. Je pense qu'on va pouvoir tous et toutes en profiter bientôt. Parce que Grâce à ça, on va peut-être résoudre euh, nos problèmes de concert. Euh, distant ça c'est vraiment chouette si on arrive à quelque chose ensemble là euh, c'est vraiment cool parce que euh, c'est compliqué ces histoires de, de gestion des sons en internat. mais oui ça va marcher on y croit très très fort mais oui en profiter suze comme de toutes les bonnes choses dont vous profitez sur cette chaîne ça en fait partie l'éventualité d'un concert hmm. Donc ce soir, on va, on va poursuivre avec Live Mise. On va poursuivre et je pense finir. A mon avis, c'est le dernier live sur Langue et Langage à l'époque de Live News. On va finir avec ça. Je vous ai préparé une petite lecture supplémentaire au cas où, qui peut être intéressante. Un petit extrait de Pour la politique numéro 2 de Méchonique. Ça pourra accompagner assez bien tout ça. Alors il y a encore un souci de latence mais on pourra rien y faire. Salut Lucie Ouais ça pourrait être le dernier. C'est déjà déjà le 7 ou 8ème je crois hein, Lucie. Hein. Comment vas-tu Lucie C'est pas rien euh, sur un tel sujet. Qui avait, euh, qu avait tout quand même pour euh, a priori se présenter légèrement comme ennuyeux, ce qu'il n'est pas, hein, mais euh, C'est pas très sexy comme promesse, euh, la mise et la caractéristique universelle. Ça pouvait être prometteur de live un peu soporifique, mais finalement j'ai trouvé ça assez excitant de plonger là-dedans. Parce que ça nous confronte à des problèmes généraux, des rapports à la langue. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis à d'autres choses aussi, hein, aux théories scientifiques de cette époque. Qui sont plutôt intéressantes. Alors toi quand t'entends langage, t'as hâte, d'accord. Euh, ça va, ça va pas mal. Je suis un peu mollasson, mais... Euh... Aujourd'hui, on j'ai rencontré, on a, parce qu'Agnès euh, faisait de la musique plus loin, donc elle n'a pas pu être avec moi, mais on a été visité par un des co-organisateurs du festival, du, du, du salon de, de fanzines et de micro publication d'Augan. Il est venu ici et euh, je pense que ça va être une chouette collaboration. C'est intéressant ce qu'ils font, j'ai hâte de faire quelque chose avec eux. Alors, est-ce que j'ai prévu à boire Non, j'ai encore oublié de me prévoir à boire. Je vais chercher ça. qui te dit coucou et sus qui te dit coucou ah, non. je crois qu'elles t'ont juste entendu ah. bah oui non personne ne te voit euh, parce que tout simplement le le décompte n'est pas fini avant l'installation ça ne serait tarder alors donc j'ai de quoi boire j'ai mon cigare évidemment Bon, Dalice va nous manquer ce soir, mais on va penser très fort à elle. De toute façon, elle va bien. Elle passait une soirée entre potes, donc je pense qu'on n'a pas à regretter son absence. On la sait passant un bon moment. Alors, j'ai encore 25 secondes, donc on va allumer peut-être ce cigare. Ben voilà, le truc, le décompte est fait. Ben attendez, je suis à vous, j'allume ce cigare. Voilà, on va pas saboter cette allumage. C'est important de faire ça bien. Et bonsoir, bonsoir à vous tous et toutes. Bon, j'espère que vous allez bien. Installez-vous pénardement. Donc, comme je le disais ce soir, on va très probablement faire le dernier live sur langue et langage à l'époque de de live -niz. Ça ne veut pas dire que le livre ne pourra pas servir à l'avenir pour d'autres lives, parce qu'il y a des articles assez passionnants sur l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, notamment un chouette article consacré aux métier à tisser que j'ai trouvé plutôt pas mal. Bah oui, on est mardi, donc c'est le cigare du, mar du, du mardi. Tu veux dire que j'ai tellement dérogé à la règle cet le an fait dernier fait que tu trouves curieux de, de voir un cigare du mardi à mardi, c'est ce ça qu y qui t'étonne. Le, le cigare du mardi, euh, le cigare du. Bon, tout rentre dans l'ordre. Voilà. C'est important qu à un certain moment, les choses euh, rentrent dans l'ordre. Euh, donc, ce sur quoi on va finir, c'est l'entretien avec euh, le public qui assistait. À l'intervention de Michel Jallet, donc intervention qu'on a lue ensemble, je vais peut-être reprendre légèrement en arrière. C'est ça, il y a eu le cigario du dimanche. C'était quand même pas un cigare, c'est un cigario, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus court, c'est pas, c'est pas le même genre de plaisir. Euh, donc les interventions des gens qui sont là, ça avait commencé la dernière fois, je crois que nous étions avec Gabriel la fois précédente, euh, où on a consacré une partie de la lecture. Un bref panorama de la philosophie pré-socratique, parce qu'il en est fait mention dans les interventions du public. On avait noté qu'il y avait une certaine confusion de la part des intervenants et même de, de Jalais dans la, on dirait une espèce de, de paquet cadeau où elle mettait ensemble tous les philosophes dits pré-socratiques comme s'ils avaient le même socle ontologique, ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin, je crois qu'on l'avait détaillé, on pourra très très rapidement en reparler, mais on ne va plus s'étendre là-dessus puisqu'on va considérer que ce travail-là est fait. Donc on va lire cette dernière intervention. Euh... Mais... Je vais probablement pas commencer par ça parce que j'aimerais faire euh, une sorte de mise au point, si vous voulez, euh, parce qu'il y a des questions qui reviennent de façon euh, lancinante sur les questions de langue et de langage. Et j'avoue que ça me laisse perplexe. J'ai l'impression qu'il y a des, euh, des idées, des messages qui ne passent pas bien, euh, des... qui semblent encore poser des problèmes. Et je ressens une forte opposition sur certains, certaines propositions théoriques qui sont faites euh, sur ces lives et qui montrent euh, des conceptions du langage, euh, on peut dire, largement idéologisées. Et de ça, évidemment, à un certain moment, il faut parler. À savoir que toute théorie du langage, évidemment, est charpentée par un socle idéologique. Salut à toi, Sarah, comment vas-tu Donc, c'est important d'en causer aussi de ça. Qu'est-ce qu qui, qu qui va justifier, établir une proposition théorique du langage euh, On ne peut pas échapper au fait qu'il y ait des enjeux politiques qui sont forts sur ces questions. Je crois que ça c'est quelque chose qui nous était apparu très très clair lors des premiers lives consacrés euh, à la position jésuitique, qui était clairement une position aristocratique dans la pensée de la langue, en tout cas peut-être pas du langage, mais au moins la pensée de la langue. Tu es dans l'Aveyron et le climat est rude, Sarah. D'accord. Eh bien bon courage pour affronter ce rude climat aveyronnais Et nous avions vu donc à quel point ce, cette compréhension d'une de manière de l'activité humaine euh, pas principale, mais presque, enfin, l'activité centrale de, anthropologique, c'est euh, la production dénoncée euh, à visée de sens, de langage, euh, combien celle-ci pouvait être l'enjeu de euh, représentation sociale, historique, très chargée. Alors, Avant d'aborder à proprement parler euh, comment le corps du texte aujourd'hui, euh, je pense qu'on va faire un petit point sur ces questions relativement à une remarque qui m'a été faite en... plusieurs fois pendant les lives et également en courrier. Et encore une fois cette semaine, cette fois-ci, euh, dans un commentaire sous un... une rediffusion YouTube, hein, dans, dans tout le podcast. Donc ça me paraît intéressant de revenir là-dessus. Mais euh, avant ça, avant d'en arriver là, avant d'arriver à cette petite présentation, euh, je vais déjà redonner le cadre. Donc le cadre du travail, vous le savez peut-être pas. Je sais pas où vous en êtes avec euh, avec l'état, enfin avec cette série live euh, par rapport à, à leur thématique, et leur, leur, leur construction. Ils sont donc charpentés. Charpenté autour de ce livre, hein, qui est le compte-rendu, les actes d'un séminaire qui a eu lieu à l'ENS, à l'École nationale supérieure de Fontenay. Ce séminaire a été, euh, a été euh, organisé par Michel Duchet et Michel Jallet, toutes deux Michel, des Michel au féminin. Les deux Michel donc, ont organisé ce truc pendant plusieurs années et euh, la publication 10-18 rend compte de ce qui s'est échangé, c'est dit euh, tout ce temps. Alors le livre n'est pas épais, j'en déduis que c'était pas facile de se retrouver, qu'il n'y a pas eu tant de sessions que ça pour arriver à ce résultat, euh, pour un travail de plusieurs années. Il est assez intéressant. Et ce que nous avons abordé jusqu'ici, c'est les perspectives théoriques euh, jésuitiques. On a pu parler ensemble du jansenisme qui s'y opposait. On a Parler par la bande des productions théoriques sur le langage euh, des jésuites, des, oui, des, des, non pas des jésuites mais des jansénistes, à savoir ce qui se passait à l'abbaye de Port-Royal, la grammaire de Port-Royal et la logique de Port-Royal. Et nous avons poursuivi avec le projet de caractéristiques universelles de Leibniz. Donc, Leibniz. Parmi la somme de, des choses qu'il a faites, elles sont nombreuses, dans des registres très différents, et nourrissaient pour les mathématiques un espoir, je extérieur à leur domaine, extensible à leur domaine, c'est de résoudre nos difficultés de compréhension collective. Euh, évidemment, c'est un doux rêve, mais ce que ça veut dire, et je ne sais pas si vous connaissez un peu les cours. De Deleuze sur Leibniz, mais dans au cours des premiers cours, même si Deleuze ne mentionne pas clairement, directement, frontalement la caractéristique, il ne la nomme pas, il ne parle pas dans mes souvenirs, enfin je crois pas, je vous parle de choses un peu anciennes, mais dans mes souvenirs, Deleuze ne parle pas frontalement de, de cette langue comme objet de Leibniz, mais par la bande, d'une certaine façon, il en parle, puisqu'il fait une première proposition. Il ouvre, son, comment, il ouvre son travail, son séminaire sur Leibniz par euh, l'interrogation du dispositif euh, logique, du formalisme logique, ce qu'on appelle des, des propositions analytiques. Il parle des propositions analytiques, donc il va à la base, hein, il commence par les propositions euh, comment euh, de la logique aristotélicienne. Il part de ces fameuses propositions qui fonctionne soit sur des associations ça, du clair, de d'identité, soit par des associations euh, euh, d'inclusion. En gros, la façon dont les termes d'une relation à l'intérieur d'une proposition analytique sont liés entre eux. Donc euh, la relation d'identité, on va pas très loin avec ça. Hein, c'est A égale A en quelque sorte. Enfin, on pourrait développer, mais c'est plus ou moins ce à quoi on est censé aboutir à un certain moment, le, le plus vite possible. Et après, de, cette, de ce formalisme logique-là, vont dépendre toutes euh, toute sortes d'autres propositions de formalisme logique bah, pour développer une façon de mettre en forme des, euh, des idées euh, sur un plan rational. Euh, un certain plan de vérité, on va dire, de vérification de l'organisation et de la pensée et des choses du monde dont euh, le formalisme doit être capable d'une certaine façon de rendre compte. Alors qui parle de Leibniz, de son rapport à tout ça Parce que Leibniz, euh, on va dire, a, a vécu une sorte de bouleversement épistémique du jour où il, il s'est penché sur les mathématiques. Ça va contaminer assez largement euh, sa philosophie, sa métaphysique, sa façon de penser. Il va écrire évidemment sur les maths, mais il va étendre cette compréhension de la on va dire rapidement pour, du langage mathématique, pour ce que ça veut dire, une extension qui serait imaginable à tous les domaines possibles des énoncés. Et ce que Deleuze en dit, c'est que l'Ignise, ayant établi ce que, ce que vise à établir, je dirais, tout formalisme logique, à savoir que toute... Proposition analytique est vraie, en gros, toute proposition qui se construit selon ce, cette, cette forme, donc ce formalisme, cet agencement des idées, ce, ce plan euh, extrêmement rationnel de l'organisation des énoncés, toute proposition analytique est vraie. Et ce que nous dit Deleuze, c'est que Leibniz a voulu mettre en lumière l'inverse, à savoir que peut-être. Toute proposition vraie est analytique. Ce n'est pas du tout, du tout la même chose. Et évidemment, euh, ça veut dire plein de choses et notamment un, une certaine accessibilité finalement du plan de vérité préalable à ces euh, énoncés pour pouvoir simplement vérifier cette étrange proposition, à savoir que que euh, toute euh, toute vérité, euh, d'une certaine façon, serait euh, analytique. Donc, même si Deleuze ne parle pas à proprement parler de euh, la langue rêvée de Leibniz, donc il voulait faire cette langue universelle, on a évoqué hein, toutes les, les tensions euh, entre. Euh, la tension intellectuelle qui pouvait exister dans son siècle pour se l'imaginer, à savoir vers quoi elle allait tendre, soit un renoncement au passé en imaginant la création d'une langue comme ça, ex nihilo, sur la base d'un horizon logique, avec tous les problèmes que ça pouvait poser pour penser son articulation ben, aux autres langues, et même, je dirais, à toutes les opérations de langage, ça, ça, ça pose quand même quelques difficultés majeures pour être pensé soit les retrouvailles avec le passé, c'est-à-dire une langue qui s'enfouit dans le long couloir du temps à l'origine de toute énonciation, pense-t-on à cette époque, c'est-à-dire l'énonciation adamique. L'idée selon laquelle une certaine équation peut exister entre un Dieu logicien, un monde lui-même, pour le coup étant sa création bah, logique et rationnelle découlant euh, logiquement des énoncés de ce dieu logicien et par conséquence l'existence quelque part profondément enfouie dans le passé d'une coïncidence de cette énonciation divine euh, aussi, aussi logique que son énonciateur, aussi rationnel que son énonciateur, eh bien, euh, une langue qui doit être celle de Adam avant le péché. Adam avant la coupure entre le Dieu créateur et sa créature. Adam avant son éviction de Ganeden, c'est-à-dire du paradis. Donc, la construction imaginaire euh, d'une langue euh, comment, euh, universelle, pourrait aussi reposer sur cette euh, tension-là, cette euh, retrouvaille finalement, avec un état idéal de la langue, langue pré-adamique et aussi évidemment, vous vous en doutez, puisque pré-adamique, pré-babélienne euh, également, donc avant l'éclatement euh, des langues. Bon, tout ça, et c'est bien joli, mais est-ce que ça marche On a beaucoup... Explorer ensemble la viabilité de ce beau rêve. On a bien vu ensemble qu'elle est quand même assez faible. En gros, ça marche pas des masses. Que le doux rêve de Leibniz bah, va rester un doux rêve. Que comme beaucoup de trucs, je sais pas si vous vous souvenez, on a lu un, un petit texte assez marrant euh, d'un spécialiste de Leibniz qui mettait en lumière le fait que Leibniz finissait pas grand chose, hein, qui commençait un peu dans tous les sens, que c'était un gars plutôt brouillon. Euh, ce qui le rend aussi sympathique au fond, même quand, quand il s'obstine dans des voies de garage, et que bah ça, comme le reste, au fond, il n'avait pas, pas, fini. Donc voilà à peu près où on en est. Et avant d'intervenir donc sur la question euh, qui semble tellement préoccupée, euh, la petite poignée de Zozo qui suivent ces lives hein, sur la fonction supposément instrumentale de langue et langage, est-ce que vous avez des questions Dites-moi. Est-ce qu'il y a des, euh, des zones d'ombre hein, qui resteraient en suspens depuis les lives précédents et sur lesquelles euh, vous aimeriez revenir Dites-moi tout. Ça m'intéresse, sinon ben, on partira, on partira euh, au petit galop sur, euh, sur cette fameuse question. Dites-moi. Ça te semble clair, nous dit Lucie bah, Jusqu'ici, j'ai tenté pour chaque aspect qui ne sont pas forcément des aspects faciles. Hein, chacune, de, chacun dépend finalement de ce, cet édifice euh, théorique pose de, de nouvelles difficultés, et notamment parce qu'il y, euh, y a des trous dans, euh, -à -dire dans la logique de Leibniz. Non, c'est pas sa logique qui est trouée, c'est plutôt euh, les liens qu'il établit entre elles et un champ dans lequel peut-être il est bien hasardeux de les implanter euh, comme modèle, comme modèle architectonique, puisqu'il s'agit de ça. Il s'agit de produire une langue dont l'architecture sous-jacente soit celle de ses dispositifs logiques, mathématiques, euh, etc. Et c'est là qu'il y a des trous dans le dispositif. C'est là où ça ne marche pas, c'est là où il est obligé de tricher tout le temps. Et où on a pu voir ensemble les nombreuses collures théoriques pour donner l'illusion que c'était fonctionnel. Mais il faut renoncer à beaucoup d'aspects de ce qui fait langue et de ce qui fait langage pour que euh, ce beau projet euh, ne tombe pas complètement à l'eau avant même d'avoir été esquissé. Donc si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir... Pff, chaud le zoo, d'accord tu es le zozo de YouTube, donc c'est à peu près clair, mais tu restes un peu perdu. Alors, tu es, je ne sais pas si tu es le zozo qui a posé la question sous le nom de Icarus675. Hein. Donc, on va pouvoir voir avec nos autres zozos et le zozo que je suis euh, euh, par où pêche la nature de cette question, c'est-à-dire en quoi elle est doublement problématique. Il y en a une qu'on va écarter, une partie de la question qu'on va écarter instantanément parce qu'elle n'a pas beaucoup de sens. Ah, tu es l'initiateur de cette... Euh... D'accord, très très bien. Non, mais je comprends tes questionnements, ils sont pas du tout aberrants. La forme sous laquelle j'ai choisi la question est plus aberrante. Enfin, elle contient euh, un, une référence étrange, mais euh, bon. Euh, on va aborder la question par l'endroit où elle s'arc-boute la tienne. Donc, tout va bien se passer. Euh... Alors, toi, tu comprends ton... Euh, ton P.D.V. Je sais pas ce que c'est un P.D.V. C'est un peu trop ton parcours de vie, c'est ça est trop cybernétique. On a le même genre de problème en informatique autour de Turing, Gödel et compagnie. D'accord. Très bien. Ben nous, on l'aborde, Tu le vois hein, par le plan euh, qui est plutôt euh, l'autre angle en fait, le point de vue de langue. Ah P.D.V. Pas parcours de vie. Point de vue. Alors les abréviations, ça va être compliqué avec moi. Je n'en ai jamais utilisé de ma vie. Donc, euh, si vous en utilisez, il faut quand même me préciser un petit peu. Hein. Il y a peu de chances que je les comprenne. Je ne les utilise pas. Voilà. Euh, parce que je suis un type pas pressé, en fait. Je ne l'ai jamais été. <laughs> J'ai toujours aimé prendre mon temps. Mais bienvenue, en tout cas, à toi, euh, sur le zoo. Voilà la, la forme sous laquelle euh, cette conversation entamée, à laquelle je ne peux pas répondre euh, en deux mots sous un commentaire YouTube, parce que ça n'est pas possible. Il ne faut pas imaginer qu'un qu problème euh, peut toujours se résoudre en deux phrases. Ça ne veut pas dire que ce problème est. Euh, Comment est trop complexe, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il faut beaucoup de temps, malgré tout, même si pour des choses qui sont pas forcément très complexes, il faut prendre du temps pour euh, les aborder et pour euh, essayer de le faire avec un peu de finesse et s'attacher évidemment euh, un tout petit peu aux au détails euh, sans lesquels un problème n'est plus tout à fait un problème. Mais euh, l'idée n'est pas de se débarrasser d'un problème, mais de poursuivre euh, par là où le problème problématise le monde. C'est un peu ça. Alors, c'est ça. Faut pas me donner un RDV avec les camas pour exposer différents PdV. Il est perdu. Oui, c'est ça. Le... Ronnie Glitch a employé le terme de camas pour camarade dans le Discord. Ça m'a complètement perturbé. Je suis, je, je suis pas familier de, de ça. J'ai pas envie spécialement de l'aide, je vous dirais. Donc, on s'en fout. On va pas discuter là de nos petites manies. On a tous et toutes les nôtres. Euh, amoureux des, euh, des abréviations ou au contraire euh, contempteur, on s'en fout. La question est formulée comme ça sous la, la vidéo. En quoi la notion de se servir de la langue est problématique Première partie. Ou le fait de se référer à une communauté linguistique comme on alors, la deuxième partie, on s'en fout un peu, Ça, on va la laisser quasiment tomber. Mais c'est assez intéressant parce qu'on s'était posé, et on va sans doute se la reposer dans la suite de la lecture du texte, euh, on s'était posé des questions sur la forme contemporaine que pouvait prendre le réalisme euh, aujourd'hui. Et euh, en fait, comme dans la vie, on se constitue, je dirais, une communauté d'esprit lentement qui fait que peu à peu, ben. Bah, euh, notre territoire euh, finit par ressembler étrangement euh, à notre façon de marcher. En gros, il est dessiné par nos pas et par les pas de ceux qu'on a choisis pour marcher avec nous. On finit par ne plus bien voir où viennent s'ancrer les positions adversaires. Et on ne sait plus trop, ah oui, ils sont où les ennemis ou... Là, Il ne s'agit pas vraiment d'ennemis, de, mais il y a on va dire, une altérité radicale qui sépare toute l'histoire de la philosophie. Et évidemment, dans les questions de, de langue et de langage, elle se repose crûment. C'est évidemment ce qui oppose les nominalistes et les réalistes. La question ici, euh, ou le fait de référer à une communauté linguistique comme on est une position réaliste, qui laisse supposer que on puisse être une communauté linguistique. Alors clairement, on ne peut pas être une communauté linguistique puisque on n'a aucun caractère d'existence. On est une, euh, comment, euh, une convention de discours. un artifice énonciatif par lequel on fait exister momentanément un corps d'incertitude euh, qui a la vertu de ne pas se poser la question matérielle des corps en présence. Et c'est donc une façon comme une autre de suspendre au-dessus des questionnements anthropologiques une espèce de moment sans histoire un moment où les corps ne sont pas historicisés, ils ne sont pas pris dans des petits problèmes de corps, des petits problèmes d'histoire, des petits problèmes d'éthique, des, des petits problèmes de politique. C'est une convention, on pourrait dire, dans laquelle justement la présence humaine est une variable dans une façon de parler à, à but de démonstration. Mais cette variable, elle est purement conventionnelle. Elle n'existe pas dans le monde des choses, vous ne pouvez pas buter contre « on ».« On » ne viendra jamais frapper à votre porte pour vous dire que vous faites trop de bruit le soir. Et d'une manière générale, il n'y a aucune chance hein, que vous finissiez votre vie avec « on ». Alors là, quand on disait « on est un con », il disait probablement par bah là surtout que l'usage de « on » pour escamoter, en fait, les, euh, les existences était probablement une connerie qu'à partir de là ne pouvait sortir de cette connerie que des énoncés à la con. Voilà. Lacan est un spécialiste des énoncés à la con. Il disait aussi que précisément la particularité de, de euh, des énoncés à la con c'est qu'ils ressortissaient pas à son domaine d'expertise puisqu'on ne peut rien faire psychanalytiquement contre la connerie. Donc on c'est la figure qui peut avoir indifféremment tort ou raison dans l'espace momentané où on fait appel à elle, mais à aucun moment, évidemment, elle ne peut faire communauté. Donc, euh, en quoi le fait de référer à une communauté linguistique comme on est un problème eh bien, Elle est un problème à cause même du présupposé selon lequel on donne du corps à on. C'est intéressant parce que là, vous voyez un cas de figure où la... ce qui rend la question possible c'est précisément d'avoir une position réaliste. C'est avoir intégré dans la question, donc dans ce moment de pensée, une présence dans le monde sensible, dans le monde sublunaire, dans le monde des choses, un caractère général, une convention de langage qui n'existe pas. Ah, il y a un petit raid. Eh ben, bonsoir le raid d'Edim dit, Merci d'être là, merci d'être là avec nous, je ne sais pas... Si vous connaissez la chaîne, mais euh, Ni même si vous savez ce qu'on fout en ce moment, mais en tout cas c'est très gentil de nous rendre visite, Jim Kiddy. Merci à vous d'être là. Alors, pour les ceux et les celles qui ne connaissent pas la chaîne, salut Zipolette, et qui voudraient... Ah qui voudrait en savoir un peu plus, j'ai fait un truc, j'ai fabriqué un petit machin descriptif que je vais vous lancer, qui vous dit ce qu'on fout sur la chaîne. Bisous à toi aussi Zipolette. Voilà, normalement ça marche quand je fais ça. Bonjour le raid, et bienvenue sur cette chaîne, dont le programme reflète assez clairement le chaos qui règne dans la tête de son streamer. On y parle évidemment de bande dessinée, mais aussi de théorie de l'art, de critique d'art, d'histoire de l'art, de politique, de folie, de science, de sociologie, de philosophie. On y dessine, on y sérigraphie, on y peint, on y lit des poèmes et des récits. On reçoit des historiennes de génie, des auteurs incroyables, des éditeurs inouïs, des biologistes éboustouflantes, de dangereuses agitées du bocal et tout ça avec de la politique dans la science, de l'art dans la politique, de l'histoire dans l'édition, de la poésie dans la danse. Installez-vous confortablement, suivez la chaîne et on y va. Voilà, voilà. Bon, pourquoi il s'efface pas cette théorie Normalement tu t'effaces toi. Pourquoi Pourquoi c'est... Ah, qu'est-ce qui s'est passé c'est bien la première fois que ce truc, voilà, <laughs> se bloque. Bon, écoutez, c'est la deuxième fois qu'il sert, hein, ceci dit. Euh, ça fait une fois sur deux où ça marche normalement. Mais comme ça, vous savez exactement ce qui se passe ici. Moi, ça vous évite de le répéter 200 fois et mal. Donc voilà, salut Twitch for GBT. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, j'étais en train de répondre à une double question qui avait été posée. Sous une vidéo, donc la deuxième partie, bah, vous allez pouvoir euh, avoir la, le développement en, brouillon, en entier. Donc je vous invite à vous asseoir Pénard. On continue sur les questions de langue et langage euh, ce soir. Il faut faire un petit euh, essai à, à Dim J'imagine que Suze ou quelqu'un d'autre y a pensé pendant que je vous montrais le petit bazar. Est-ce que c'est fait Oui Bravo Bien répondu Mais non, ce n'est pas de ma faute. Je ne savais pas, moi, que ça pouvait euh, faire ça, techniquement. J'en suis le premier surpris, euh. Donc la deuxième partie de la question est plus euh, riche, euh, je dirais, de promesses de réponse. Elle est peut-être plus complexe à déplier, mais comme vous êtes assez nombreux et nombreuses à vous la poser, c'est vraiment important que je revienne là-dessus. Parce que, euh, elle vient tout le temps. Vous entendez souvent dire euh, sur cette chaîne que personne ne se sert du langage. Que le langage n'est pas un outil, et mieux encore que la langue non plus n'est pas un outil. Euh, évidemment... Même si cette chose est rapidement décrite dans les précédents lives, hein, peut-être que ça demande un peu plus qu'une assertion aussi rapide, pas décortiquée, pas dépliée, et que ça vaut le coup pour une fois de prendre un peu de temps pour aborder cette question. Non, Gigilou, il y a eu très peu de calembours pour l'instant, ça vient juste de commencer cet aspect-là. <laughs> hmm. En quoi la notion de se servir de la langue est problématique donc, euh, peut-on interroger le langage lui-même comme une fonction Voilà ce, que, ce qui sous-tend la vision instrumentale de la langue. Pour que la langue soit un outil, il faut que le langage soit une fonction. Donc, il faut déjà qu'on s'entende d'une façon générale, ensemble, sur ce que l'on va comprendre en des termes langue et langage même si on a souvent abordé cette question, notamment euh, avec Meshonique. Et puis, il faut aussi qu'on essaie de voir si ce couple-là, ce couple cette copule, cet assemblage binaire est suffisant, et s'il faut se satisfaire de cette vision duelle, langue-langage, pour le fait de langage, et pour comprendre à quoi on a affaire exactement dans un fait de langage. Et ça va nous aider à mieux comprendre. Le caractère très insatisfaisant d'une vision instrumentale du langage et de la langue. Le langage est généralement pensé comme une faculté. Et ce qui pose en soi déjà un petit problème. Moi, je vous propose, au lieu de penser au langage humain comme une faculté, vous verrez. Pourquoi je dissocie le langage humain du langage des autres euh, créatures vivantes sur cette planète, euh, notamment parce qu'il me paraît toujours hasardeux, euh, parce qu'on a un objet sous la main auquel on suppose une vocation, euh, parce qu'il ressemble à des activités autour de nous, de l'y euh, subsumer. C'est un risque que je prends rarement. Euh, même si je lis euh, pas mal d'éthologies contemporaines, j'ai pas, je dirais, les prérequis, satisfaisant, pour dire autre chose que des banalités sur cette question. Donc je vais me concentrer sur le langage humain, d'accord euh, Le langage est généralement donc pensé comme une faculté, et je pense qu'il est plus juste de le penser comme activité. Parce que si vous le comprenez comme une faculté, vous l'entendez comme une disposition. Une disposition passive, euh, une disposition innée, comme la propriété d'un organisme quelconque pour communiquer. Là où il s'agirait plutôt d'un processus extensif d'advention du sujet parlant dans le monde. C'est-à-dire, comme le dit Benveniste, qui bien avant de servir à communiquer quoi que ce soit, sert à vivre. La pensée du langage comme faculté. Ça invite précisément à penser la langue comme réponse outillée à cette faculté. Donc penser la langue comme outil découle de la vision du langage comme faculté. C'est-à-dire que si vous en parlez comme d'une faculté, vous introduisez le germe d'une difficulté théorique qui va vous acculer d'une certaine façon à une vision instrumentale de la langue. Suis a tout à fait raison, tu as le niveau requis, Gigilo, vous l'avez tous et toutes, exactement. Euh, et s'il y a des difficultés théoriques qui sont posées par ce que je vous dis, ça ne me fait aucun problème de prendre plus de temps pour dérouler ça, mais je vais prendre mon temps. D'une certaine façon, si vous voulez, cette conception native du langage, elle contient en elle-même la pensée outillée des langues. Donc, elle, euh, elle compose avec cette vision le regard instrumentalisant sur le langage humain. Vous ne vous laissez pas la possibilité, si vous voulez, d'échapper à cette conception si dès le début vous vous êtes proposé euh, de penser le langage comme faculté. Ça ne veut pas dire que ce soit pas une faculté. Ça veut dire plutôt que le mot faculté est problématique. Il nous encombre de notions qui sont douteuses et peu précises, finalement, pour comprendre ce qui se passe quand nous parlons. Euh, ça laisse supposer, par exemple, que doter du langage, hein, c'est une dation du langage, comme faculté, euh, vous ne l'êtes pas de l'outil pour accompagner cette faculté. Et que, dans ce cas-là, vous auriez une faculté qui serait le langage, et que si vous n'aviez pas l'outil pour accompagner cette faculté, vous seriez incapable, il vous serait impossible de signifier quelque chose. Or, évidemment, ça n'a pas de sens. Vous êtes co-doté du langage comme activité et de la langue comme système dans lequel vous naissez, et dans lequel vous allez vous développer, grandir, et que vous allez faire grandir et développer à votre tour. Vous êtes co-présent à ces instances, et mieux encore, vous les changez. Vous voulez changer. Chaque naissance humaine change quelque chose de ce corpus de signes qu'est la langue et change quelque chose. Il a aussi une vertu extensive de changer quelque chose de l'activité langage. Exactement comme nous en parlons souvent sur cette chaîne. Tout artiste change quelque chose de l'activité art. Il l'étend. Donc, quiconque, par exemple, par rapport à cette notion qui, voyez, qui serait problématique euh, si vous séparez les deux et que, donc, langue-langage dans une vision outillée, euh, vous laissez complètement de côté le fait que quand vous échangez des impressions, euh, et, par exemple, des émotions et même des propositions en réalité, un interlocuteur dont vous ne partagez pas la langue, ben, quiconque a fait ça sait que l'activité langage passe par toutes sortes de moyens détournés pour parvenir à ses fins. C'est-à-dire que l'objectivité langage n'est pas en attente d'un outillage quelconque pour s'exercer et parvenir à ses fins. Donc la langue n'est pas l'outil du langage. Disons que même si on a une vision instrumentale de celle-ci, alors on serait acculé à admettre que le langage comme activité passe par des détours. Autre que la langue, pour produire ce qu'on va appeler de la signifiance, le fait d'être en train de signifier. Ce qui est autre chose que la signification. La signification, à la limite, c'est l'effet de sens que vous pourriez être en droit de chercher. La signification a une certaine localité, en fait. On peut imaginer la signification en dehors de la durée. Donc, si la signification est en dehors de la durée, alors elle est dans un au-delà ou un en-deçà de euh, l'activité du langage vers laquelle on peut tendre. Mais par contre, la signifiance, c'est le fait même de signifier. Ça, on entend en signifiant ce caractère énonciatif, en fait, donc vital, si vous voulez, de, euh, de cette activité. La signification, c'est on, on se transforme en signe. Bravo, Glitch. Glitch fait des calembours lui aussi, de pire en pire. Et Gilou propose que l'artiste soit un étendoir puisque le peintre ne pourrait pas faire sécher ses toiles autrement. Je vous sens bien parti encore. Bon, le langage, vous voyez, pose quelques problèmes théoriques à être questionnés, raison pour laquelle on va s'étendre un peu sur lui. La langue semble poser un petit peu moins de problèmes à être pensée. On pourrait assez facilement la définir en des termes simples. Hein. C'est un système... Étendue euh, de signes particuliers à un ensemble humain, donc un peuple, une population, un territoire, qui est lié à elle, euh, pardon, lié à lui, lié à ce système par son histoire. Donc, la, la, la langue est liée à ce peuple par son histoire, et ce peuple est lié à cette langue par son histoire. Et on dit un système étendu. Pourquoi un système étendu Parce que ce système de, de signes n'est pas lié aux conditions immédiates. De son énonciation pour pouvoir signifier quelque chose. On peut manipuler des euh, significations d'objets qui sont distants, qui sont absents, qui sont pas sous votre main. Alors on peut parler des objets qui sont sous votre main, mais ça, c'est une petite catégorie, on va dire, d'éléments linguistiques qu'on a parlé. On a parlé de grammaire la dernière fois, on a évoqué les déictiques, qui se réfèrent directement aux objets qui sont là, ceci, cela, euh, voilà, ou les phrases déictiques, euh, passe-moi passe ça, donne-moi ça, euh, ou maintenant. Mais euh, ce n'est qu'une toute petite catégorie. La vérité, c'est que, évidemment, ce système de signes permet de parler euh, de choses distantes, de manipuler des concepts distants, des objets absents. Mais il peut également répondre à un nombre illimité de circonstances qui ne sont pas encore arrivées. Il peut parler du futur. Il peut le faire par sa combinaison même. Donc ça implique euh, l'hypothétique, euh, le fictif, le prédictif. Donc c'est ça, un système étendu. Vous voyez, il est étendu. Au-delà de la présence des, euh, des objets de la signification, et euh, au-delà de leur actualité, au sens large de ce terme. Peut-être que j'allais mettre une bûche dans le feu. Bon, évidemment, euh, ça se complique quand on comprend qu'on n'est pas passivement lié à la langue, on n'est pas récepteur de langue de façon passive. Mais on est producteur de langue, on est producteur de celle-ci dans une continuité, une continuité temporelle et une continuité sociale, c'est-à-dire dans l'histoire et parmi les autres humains. Ça veut dire un truc, évidemment, euh, que ça la rend inconnaissable. Certes, c'est un système de signes, mais ce système... Ça n'a rien à voir avec les connaissances éventuelles en grammaire euh, euh, pour, pour la, la saisir ou pas. Elle est par nature absolument inconnaissable, précisément parce que tous les sujets qui parlent une langue sont dépositaires de sa vitalité, de son extension et de cette puissance de signifiance euh, dont tous les sujets jouissent et qu'ils font agir en elle. Elle n'est pas connaissable parce que, en bah, ce moment précis, je ne sais pas combien on est de millions de Français et de Françaises à parler ce que nous appelons ensemble le français, mais le français n'est pas connaissable. Il est en train de s'inventer un peu partout. Nous connaissons certains petits moments, on peut faire le point de temps en temps si vous voulez, sur ce que l'on sait d'elle, mais sa réalité vivante, hein, sa matérialité verbale dans son, la polyphonie des corps et des expériences, nous ne la connaissons pas, elle est inconnaissable. Il n'y a pas de compte-rendu possible de la langue, mais il y a des postes d'observation. Donc on peut observer un comportement général des processus de langue et on peut observer une histoire de leurs résultats. Voilà. Donc que vous soyez, je ne sais pas, lexicographe, euh, linguiste, euh, ben, tout ce que vous voulez, c'est ce que vous faites. Et euh, ces résultats, par ailleurs, ils ne sont pas définitifs. Rien ne permet de statuer sur le devenir de ces processus de langue, de ces faits de langue, de ces inventions, de ces façons de parler, tout ce que vous pouvez imaginer, euh, on ne peut pas statuer sur leur devenir, ce qui va s'imposer, ce, ce qui va disparaître, et ils ne peuvent pas non plus être expliqués par une rationalité historique qui serait structurelle et étymologique. C'est logique. Hein euh, Puisqu'elle ne peut être qu'observée, ce qui ne peut pas être anticipé ne peut pas non plus être déduit. Euh, sauf euh, à marcher comme les astrologues quand ils disent euh, dans leur plan de vérité Ah, je l'avais bien prédit Mais la vérité, c'est que non. Ce ne sont pas des faits rationnels euh, d'enchaînement, euh, on pourrait dire, logiques et généraux qui font que euh, la langue va s'imposer sous telle ou telle forme, que tel ou tel choix euh, vont construire finalement le présent d'une langue. Enfin, il y a aussi d'autres choses auxquelles on doit penser, mais je vais d'abord mettre une bûche dans la cheminée. Histoire de pas me cahier les miches pendant que je vous parle. Ça va, il fait plutôt doux ce soir, c'est pas, pas bien compris. Euh, oui, ou paléographe, oui, <laughs> là on est vraiment très 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 après. Et euh, surtout, euh, insistons bien, je suis en train de vous parler du fait de langue, je suis pas en train de vous parler d'écriture. Euh, langue et écriture ne sont pas des plans de réalité superposables, on est d'accord, il n'y euh, a pas besoin de parler d'écriture pour être en train de parler de langue. Enfin, il y a donc d'autres euh, problèmes dans ces... Conception outillée des relations hein, qu'on peut entretenir avec ce système, qu'il détruisent hein, finalement cette conception outillée. Euh, le monde des choses, la réalité, est continue. Et la langue, apparemment, est discontinue. Les rapports outillés se satisfont de la discontinuité. Ils produisent de la discontinuité. Ils agissent sur un plan matériel. L'outil agit sur un plan matériel local et momentané. Il est un appareil de discrimination et de discontinuité. Mais il se trouve que le langage produit, lui, de la continuité, comme activité, de la continuité entre sujet et monde, entre sujet et société, et évidemment, du coup, intersubjectivement, entre les sujets eux-mêmes, et il restitue par là quelque chose de l'expérience du continu, du continu du monde, euh, en dépit. De l'apparence discontinue du système. Pourquoi je dis qu'il est discontinu bah, On voit comment il s'articule, comment ça fonctionne. On parle de fonctionnement, on parle de paradigme, de syntaxe, on parle de la double articulation qui va constituer euh, le fait de langue. On voit bien, dans l'exercice de, de l'interrogation de telle ou telle langue, ce que l'on va y traquer, des unités. Hein, des unités soit morphologiques, soit sémantiques, soit les unités de sens, soit les unités de forme, qu'on cherche du discontinu. Mais il se trouve que l'expérience langage est une expérience continue, qui produit du continu. Et l'apparence du système sur lequel repose l'activité euh, du langage, c'est une apparence discontinue. Mais c'est une activité vitale, s'il en est une, et donc c'est une erreur de le penser ontologiquement, lui, dans le registre de la discontinuité. Si vous préférez, on peut dire ça autrement. La discrimination par la, le, le fait de langue, c'est une sorte de convention locale, mais qui ne prétend pas se substituer à l'expérience du monde, bien qu'elle la vise dans sa restitution, ce qui fait que la continuité des objets du monde entre eux, se recomposent par la continuité des opérations subjectives qui entourent les opérations de discrimination par la langue. Et dans cette recomposition de la continuité, c'est l'objectif du fait de langue. On est donc très loin d'un rapport outillé dont la discrimination et la séparation seraient vraiment la visée. L'idée selon laquelle le, le, le fait de langue le, et le fait de langage auraient pour but. De discriminer, c'est une vision extrêmement substantive de la langue, et c'est donc une vision extrêmement courte et fausse. Effectivement, dans toutes les théories de, qui se voulaient logiciennes, euh, qui se veulent encore, si vous lisez Goodman ou Pierce, vous allez retrouver ces impasses-là. Le choix pour que ça marche théoriquement, c'est évidemment d'avoir une vision substantive. Mais il se trouve que une langue, aucune langue n'est un enchaînement substantif qui se rapporte à chaque fois à tel ou tel objet du monde discriminé. Ce qui compose le fait de langue et l'organisation des langues, évidemment, c'est tout le reste. Dans quoi, dans cette espèce de flux de, de l'énoncé, sont pris des éléments substantifs, donc des mots, si vous voulez, qui se rapportent à une chose, à un concept, à une idée, à un objet. Ils ne sont qu'un tout petit élément de l'activité linguistique. Ce qui fait que la fleur n'est pas plus isolée, si vous voulez, du champ de fleurs dans lequel on choisit de poser localement notre regard, ou de ce champ lui-même où on pose localement notre regard sur le monde continu dans lequel nous nous, nous promenons ce regard, elle n'est pas plus isolée du champ dans lequel on, on choisit de poser notre regard que le mot arbitraire qui va la désigner, fleur par exemple, n'est isolé finalement dans le champ du langage. Donc il y a tout, tout cet univers euh, là fondamentale d'une recomposition de l'expérience qui passe par une activité du continu, certes, dont la, on va dire, dont la possibilité repose en partie sur le système de signes euh, discontinu. Pour autant, je vous le rappelle, évidemment, le langage passe outre de multiples moments de notre vie, dans de multiples circonstances. Outre la simple question de la langue. Le langage excède largement son articulation à une langue. Il passe par plein d'autres opérations de signifiance. Voilà, je prends mon temps, j'espère que c'est clair pour vous, je n'ai pas envie de vous brusquer, donc on va y aller vraiment pas à pas. Ouais. Comme ça, on pourra se référer ultérieurement peut-être euh, à ce podcast quand on voudra se reposer la question, revenir une fois que ce sera podcasté sur. Euh, sur cette description, qui j'espère un peu satisfaisante, hein, qui doit mettre les choses un peu au clair pour savoir de quoi on parle. Hein. Quand on parle de langue et de langage, on pourra y revenir, se référer à ce moment-là, euh, sans avoir sans cesse besoin de, de répéter. Même si euh, on a besoin souvent, hein, pour se faire entendre, de répéter, euh, évitons-nous à chaque fois de revenir là-dessus. Bon, du coup, que se passe-t-il dans cette opération par le langage, nous allons à la rencontre du monde des choses, mais pas seulement de lui, de, de tout ce qui, du monde des choses, est expérimenté euh, comment à titre subjectif, c'est-à-dire est -à -dire et penser et rêver et euh, pour faire un gros mot et conceptualisé. On va à la rencontre du monde des choses, mais également par lui, dans le cadre intersubjectif qui lui est assigné téléologiquement, c'est-à-dire comme but, le cadre intersubjectif, c'est a priori le but. Avant tout, c'est une opération comment euh, sociale. Il, le langage est opératoire socialement. Il vise ça. C'est l'espace de son devenir. C'est pour ça que je dis qu est, que le cadre intersubjectif lui est assigné téléologiquement, c'est que c'est son devenir, c'est son horizon. Et ben bah donc par cette expérience, nous nous rencontrons. Nous tissons du commun, et ça c'est tout à fait autre chose que de produire et d'échanger des informations. Nous, nous coexistons, si vous voulez, dans un dialogue, en apparaissant l'un à l'autre comme imposition de subjectivité. L'un à l'autre. Donc, à la fois déterminer, si vous voulez, à nous, nous affirmer mutuellement comme... Présence et avoir se creuser en même temps la séparation radicale de deux corps, si vous voulez, c'est une seule opération et c'est la même. C'est celle qui peut nous permettre de dire je et tu. C'est une métonymie à cet endroit-là. Voilà, si vous voulez, c'est euh, une façon raccourcie de dire les choses du paradoxe social par lequel seule la société nous permet de nous désigner à nous-mêmes comme entité solitaire, subjective, à la fois en elle et d'une certaine manière hors d'elle à jamais, comme corporealité singulière. Par ce double mouvement, le fait de langage réifie, rend réel, matérialise en fait ce mouvement d'apparition à soi et aux autres, qui à la fois nous unit à eux et également nous sépare d'eux, marque cette limite. On peut retrouver là l'énonciation adamique, si vous voulez, dans laquelle Adam ne se contente pas de nommer les choses du monde, mais déduit de tout ce qu'il n'est pas du monde, quelle est la place d'Adam dans ce monde. Euh, par rapport à la question de la pensée, dont on parle beaucoup avec Leibniz, puisque tout s'articule sur sa vision théorique de la pensée, euh, on peut y revenir brièvement. Bergson dit par exemple que dans les mots, nous pensons. Alors quel, quel statut ça donne euh, au langage verbal euh, si d'un seul coup, il se fait aussi territoire, il se fait euh, creuser, il se fait lieu d'expansion euh, du sujet, qui va penser non pas par... Euh, non, pas à travers un langage transparent, si vous voulez, mais dans l'opacité d'un corps qui s'abouche à son devenir dans le langage. La vision outillée ne fonctionne pas, évidemment. La place de la dent dans ce monde, c'est dans la bouche. Suze. Honte sur toi. Et qu'est-ce qu'on peut dire enfin d'un outil qui serait, par exemple, si souvent impuissant à faire ce qu'on attend de lui. Or, précisément, la vision outillée laisse complètement de côté cette chose, c'est que l'incommunication, l'échec de celle-ci, ou l'impuissance à dire, par exemple, ne sont pas des errances du discours. Elles sont fondamentalement liées à la subjectivité qui y travaille. Ce n'est pas quelque chose qu'on va araser ou gommer. Elles font partie des rapports de significance au monde. L'échec de la vision outillée, c'est ce qui fait toute la différence aussi, entre le langage et une machine à produire de la communication, ce qu'il n'est pas. Ça marche peut-être très bien entre deux fourmis. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de bruit parasite dans leurs échanges d'opérations de, 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 de langage propres aux fourmis. Mais entre les humains, l'échec de, de l'opération de communication, c'est la règle. Ce qui veut dire que nous trouvons plein d'autres moyens d'agencement pour faire passer par le langage. La cohabitation, si vous voulez, de nos subjectivités avec l'infini, euh, euh, comme on... l'infini euh, bruit de ruisseaux, des corps qui s'expriment euh, de façon dissonante, si vous voulez. Alors. Est-ce qu'on peut dire que les humains utilisent le langage ou utilisent leur langue On va revenir sur cette question de l'outil, peut-être en définissant à chaque fois où la définition d'un outil va écarter la vision instrumentale de la langue ou du langage. Ce qui caractérise un outil, par exemple, c'est sa connaissabilité. Un outil a une définition claire, il est embrassable, nous connaissons la fin de l'outil et la fin de l'outil. C'est-à-dire, nous connaissons ce pourquoi il est fait et nous connaissons aussi sa détermination. Nous savons où il commence et où il finit. Là, on vient bien de comprendre ensemble que dans un cas comme dans l'autre, cette, cette connaissabilité n'est pas au rendez-vous. Voilà ce qui déjà pose problème pour penser à un rapport outillé, à un rapport instrumental langue-langage. De fait, l'outil est également déterminé par son instrumentalité même. Ça veut dire qu'il y a un usage, il y a une définition explicite, un guide, un manuel, une façon de faire les choses qui est la bonne et qui doit nous conduire à sa fin, à sa destinée, sa destination, à son usage. Et non. Ça n'est pas le cas, évidemment, il n'y a pas de guide, de manuel ou d'usage ou de définition explicite ni euh, du langage, ni de la langue, ni des langues. Il y a évidemment, et c'est une conséquence de la connaissabilité, l'extériorité de l'outil une distance de l'outil, une prise en main, une séparabilité et donc une dispensabilité de l'outil. Mais il se trouve que le langage est consubstantiel aux humains. Ils ne peuvent pas aspirer à un devenir hors de lui. Donc, non seulement les humains ne deviennent pas dans un hors-langage, mais ils ignorent le hors-langage. Il n'y a pas d'extériorité. Là encore, on ne voit pas très bien où on pourrait retrouver une conception instrumentale il y a une autonomie fonctionnelle de l'outil. C'est-à-dire que l'outil est inchangé, il est tenu par sa forme et sa fonction. On pourrait dire en quelque sorte que l'outil est déshistoricisé, c'est-à-dire certes il a une histoire, mais il n'a pas à proprement parler d'historicité ou alors elle est accidentelle. C'est-à-dire il a une manualité individuée, qui est accidentelle et largement fantasmée. Je dis fantasmer parce qu'on dit par exemple que euh, la plume de l'écrivain, euh, personne ne va pouvoir l'employer pour écrire parce qu'il l'a fait à sa plume, sinon on l'a mis. Bon, beaucoup de fantasmes aussi sur euh, l'individuation dans, dans la forme de l'outil. La réalité c'est que l'outil, en fait, a début et fin de sa forme et de fonction qui le rendent inchangé à lui-même, même si lui appartient à une longue histoire des outils. Ce qui implique... Autre problème, on va continuer, il y en a beaucoup l'interchangeabilité du praticien, c'est-à-dire bah, une indifférence de l'outil à son usager. Mais ça, ça ne fonctionne pas du tout pour l'effet de langue. Le poète, il est lui-même territoire de langue. Tout en arpentant de façon critique les espaces théoriques qui collent à la langue, il est aussi producteur. D'un territoire dans une mystique de la langue qui fait de votre corps l'habitat de celle-ci et de vous l'habitant de la langue. Tout ceci peut vous sembler métaphorique, mais dans les faits, la position critique euh, du poème réduit à néant l'idée d'une interchangeabilité du praticien par rapport à un système clos et fermé. D'accord Donc la question de vouloir dire perd toute substance. Quand l'absence de généralité du regard, c'est l'affirmation même du poème en lui-même. A partir de là, cette interchangeabilité qui découle de l'autonomie de l'outil rend problématique aussi une pensée instrumentale de la langue. Autre problème, on continue il y en a beaucoup dans cette pensée instrumentale, la régularité, par exemple, de l'outil. Une cause égale un effet. Mais non chaque locuteur, quiconque intervient dans un fait de langage, que ce soit un fait de langue ou pas, hein, fait de langage, il change les faits de part et d'autre dans l'interlocution. Euh, par ailleurs, il n'y a pas de conflit entre le sens individuel et le sens collectif d'un mot. Ces deux sens qui dansent ensemble pour une constitution du fait de langue. Et pour cette régularité, il suffit de renvoyer à quelque chose de tout bête. Un traducteur sait qu'une langue, ce n'est pas un code, qu'un mot n'est pas un code injecté, et que traduire, c'est pas retrouver un codage, c'est retrouver la possibilité de rendre compte d'un monde tout entier, c'est-à-dire d'une histoire, d'une société, d'une réalité complexe et tissée, C'est pas une série discontinue de référents. Donc la question de la régularité de l'outil, dysfonctionnelle aussi pour penser la langue. Autre problème, l'anticipation. L'outil est avant tout un outil d'anticipation. Il permet d'anticiper une opération. Il y a une connaissance préalable de la fin de l'opération, une fonctionnalité supposée sans reste qui va être exécutée. Ça n'est absolument pas ce qui se passe, évidemment, dans les faits de langage, qu'ils soient faits de langue ou pas. L'outil également est sans durée excédentaire de sa production. Sa production, après, elle vivra sa vie de production. Mais une fois une tâche achevée, le rôle de l'outil s'achève avec elle. Et on passe à autre chose. Ce n'est pas du tout le cas pour l'effet de langage. Le devenir des énoncés est un devenir social qui les fait perdurer au-delà de leur moment d'annonciation dans la vie sociale. Qu'ils qu soient écrits, ça semble une évidence, c'est la vie des romans, mais même dans, euh, comment dire, les énoncés euh, s'excèdent en eux-mêmes parce qu'ils sont relatés par la vie sociale, ils sont incorporés par ceux et celles à qui vous parlez, ils se poursuivent au-delà de même ils se poursuivent en tant que fait de langage. Donc à partir de là, il y a une durée excédentaire qui n'existe pas dans un dispositif outillé. Autre chose, l'outil est médian. Il est une transition vers une fin. Il n'est pas une fin en soi. Mais dans les faits euh, de langage, il y a des constantes d'opérations dans lesquelles le fait de langage est une fin en soi. Il y a évidemment. Le performatif, qui est une propriété linguistique, vous connaissez bien, c'est-à-dire des actions qui n'ont pas d'autre signification que de se dire elles-mêmes faisant. L'exemple pris le plus souvent, c'est de dire bonjour. Vous ne faites rien d'autre que de dire bonjour quand vous dites bonjour. Vous êtes en train de dire bonjour en disant bonjour. Il euh, y a des, des actions performatives du langage dans euh, la liturgie. Il y a du performatif, beaucoup, hein, d'une façon générale, dans nos faits de langage. Et la littérature toute entière est une assertion. Une assertion plutôt, de soi comme langage, comme fait de langage. Donc, il y a une collégialité, si vous voulez, du langage qui passe par aucune autre fonction, finalement, que de dire à cet endroit-là. Euh... Et autre chose, fondamentale aussi, qui distingue le fait de langage et le fait de langue d'une vision instrumentale, c'est que l'outil est palliatif. Un outil vient corriger un manque, il vient améliorer une situation de faiblesse mécanique quelconque, s'y si substituer, s'y si insérer. Son, son tissu repose sur un manque. Euh, il vient améliorer une fonctionnalité. Et euh, sa destination. Ce n'est pas du tout ce que fait le langage, qui, on serait bien en peine de dire qu'est-ce qu'il pourrait bien être en train d'améliorer. Donc il s'interpose entre une fin matérielle et une matière première qu'il modifie. Mais euh, c'est quoi l'extériorité de la matière transformée dans l'effet de langage Donc s'il n'y a pas d'extériorité de matière transformée, donc si elle n'existe pas cette matière première, bah, il faut admettre que, que l'outil, ce n'est pas ça qui transforme. Ça voudrait dire qu'il transforme lui-même, c'est ce que les faits de langage font, parce qu'il fait corps avec la matière transformée, pour ce qui est du langage. Euh, et donc, du coup, bah, s'écroulent toutes les autres catégories, évidemment, qui sont des catégories stables, caractérisant l'outil, sa stabilité en tant qu'outil, que nous avons évoqué euh, tout à l'heure. Il n'a pas de durée excédentaire dans euh, son accès, et il a une forme achevée. Donc rien ne fonctionne non plus dans, de ce point, -là. point de vue-là. Donc l'outil... De manière générale, il est conditionné par une nécessité. Et il faut que cette nécessité ait été conçue, ou plutôt que lui ait été conçu devant une nécessité pour répondre à cette nécessité. Donc encore de l'extériorité. Quelle est l'histoire extérieure à cet outil qui poserait la genèse de sa nécessité. Ça n'a aucun sens. Enfin, si, dans Da, dans les lectures que nous faisons dans Da, ça n'arrête pas de, de se dire. Il y a une espèce de nécessité. Euh, on voit bien toutes les histoires qui se racontent sur une espèce d'imagination d'un club d'humains spécifiques qui, d'un seul coup, vont commencer ensemble à nommer les choses. Bon, évidemment, tout ça n'a pas beaucoup de sens. C'est une fiction un petit peu ridicule. Mais euh, elle pose évidemment sur des caractères d'une nécessité extérieure et d'un conditionnement euh, du langage pour répondre à cette nécessité. Tout ça nous amène tout simplement à nous poser des questions simples. Hein. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on parle On ne dispose pas euh, d'éléments fixes à agencer comme des petites briques de signification dans un échange. On procède sans cesse plutôt par de l'absence, par la problématisation, dans l'absence de faits euh, co-présents à nous. Hein. On procède par des généralités pour évoquer des singularités. On manipule en gros des ensembles, des notions, des concepts qui peuvent être clos, qui peuvent être même imparfaits momentanément, puisqu'ils vont changer de forme à mesure que les énoncés avancent, dont on ne peut pas vérifier par exemple l'entendement commun entre les locuteurs. Et nous ne dissocions jamais euh, l'affirmation, sans objet discernable, locaux, précis, désignable, euh, circonscriptible. On ne dissocie pas euh, ça de nos sentiments, par exemple, des idées qu'on s'en fait des idées qui en découlent de ces manipulations de, de celles qui portent ces sentiments ou qui les contredisent. on ne partage pas dans les faits de langue euh, dans les faits de langage on ne partage pas euh, le certain et l'incertain qui serait dans des petites zones assurées de la, de, 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 de la, la distinction parce que, euh, parce que la destination par exemple de l'incertain elle a une durée elle est momentanée elle est, sa destination de l'incertain, c'est aussi bien dans le certain, le devenir certain, que le contraire est vrai. Le certain peut tout à fait avoir une destination dans l'incertain. En d'autres termes, si vous voulez, la manipulation euh, volontaire de l'incertain euh, dans le poème, ou involontaire dans euh, l'hypothèse, de l'indicible aussi. Hein. Ben ça, c'est des trajets du langage. Et ça l'est au moins autant euh, que ben, l'échange d'informations. Échange que rien ne vient jamais garantir, on est d'accord, hein. et la communication qui est plutôt un doux rêve, si vous voulez. Le contexte, euh, dans euh, le fait de langue, c'est lui qui va tisser des ambiguïtés, des doubles discours, qui va produire, euh, si vous voulez, les, les conditions mêmes. De la re en appelant des connivences linguistiques, des connivences de groupe, des connivences sociales. La connotation qui piège la binarité, euh, comment, euh, caractère binaire entre signifiant et signifié quand on l'a amputé de la conceptualisation, alors que celle-ci, elle loue significativement signifiant et signifié. Et bien, la connotation permet de faire du jeu d'apparence. De la synonymie, en fait, un éventail de positions stratégiques et sociales. Les synonymes ne sont jamais vraiment des synonymes. Ils disent autre chose. Ils disent autre chose que les choses qu'ils désignent. Ils viennent se situer dans un monde qui est le monde de la connotation. Et ce n'est pas des accidents du langage, on hein. est d'accord. Ce n'est pas des erreurs dans la fabrication des langues. Non, non, pas du tout. C'est ce qui travaille pour dire. Et dire, eh c'est bien autre chose que euh, communiquer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore euh, Le descriptif, par exemple, et le prescriptif, ce qui euh, décrit le monde, ce qui dit euh, l'action qui vient, qui doit être faite, ce n'est pas des mondes séparés, en fait. En tout cas, ce n'est pas des mondes aussi euh, séparés qu'on pourrait le croire. Le prescriptif, par exemple, en fait, ça décrit aussi. Le prescriptif, ça, ça décrit un monde de convention dans lequel s'échangent les ordres. Et quant au descriptif, il prescrit un regard. Il oriente le regard vers une conception euh, à partager, une conception sociale de notre place dans le monde pour nous y établir. Parler, ça institue les corps, si vous voulez. Le langage impose ses effets par la langue. Hein. Comme par tout ce qui l'entoure. Donc il n'y a pas que la langue, il y a aussi tout ce qui, qui l'accompagne. Et il le fait comment En réaffirmant l'histoire des sociétés et la force d'imposition des légitimités, des institutions et du pouvoir. Si vous parlez, vous vous situez, vous vous qualifiez ou vous vous disqualifiez à jamais. Et, et ceci, je dirais, en dépit de ce que vous dites vraiment, en quoi que vous vouliez communiquer. Vous commencez par communiquer quelque chose d'autre. Vous commencez par vous communiquer. Et le territoire social, il se dessine instantanément autour de vous, selon que vous avez, je ne sais pas, un tel accent, tel tour de phrase, tel vocabulaire, tel tic. Donc ça fait apparaître autre chose que des informations euh, objectivées et échangées. Vous y apparaissez. C'est pour ça que... Euh, Méchenique rajoute à la catégorie signifiant et signifié, alors, ce sur ajoutait la parole, qui pose quelques problèmes métaphoriques d'interprétation, la place qu'on qu entend de l'énonciation dans le mot discours fait préférer à Méchenique le terme discours. Le discursif vraiment place hein, un énonciateur et, et, et il l'institue lui-même dans la langue. et Il dit euh, « le discours » C'est ce moment de langage où apparaît celui qui s'y énonce. C'est tout ce que je vous décris. Donc celui qui manifeste une idée, il se manifeste lui-même plus clairement et plus certainement que cette idée elle-même. Voilà. Alors, on va enfin pouvoir vous lire parce que j'essayais de suivre le fil de mes idées, donc je voulais pas être trop. Trop largué. Alors là, vous faites des calembours, des calembours, voilà. Vous n'êtes pas d'accord entre vous, personne ne m'aime. Aïd Ball pas encore. Non, je suis désolé, Suse. Euh, on assassine les oracles en silence. Je ne l'ai pas fait exprès, je sais pas ce qu'il y a déconné. Et comme je ne sais toujours pas si 8Ball est un outil de, de WiseBot ou euh, de l'autre truc que j'utilise, euh, bah, du coup, je ne peux pas aller réparer. Je ne sais pas où aller réparer. Euh, mon couvre-chef, merci pour mon couvre-chef, Suze. Alors, cette vieille idée qu'on casse une pub si on la prête, mais oui. Alors, le stylo qu'il ne faut pas prêter, c'est un mythe. Oui, Suze, c'est un mythe. Dans les fêtes, la position critique, c'est de faire la gueule. <laughs> oui, ou de pas y aller, hein, c'est quand même le mieux. Hein. Barrons-nous. Euh, on fait des fonds de tiroir à niveau humour, on nous dit Gilou ce soir. Oracle au désespoir. N'ai-je donc tant vécu que pour un tel, une telle infamie lyrique et musicale D'accord. Mythe complet, à ce moment, je passais du temps sur un forum spécialisé dans les stylos plumes. Ils les démontent, font des franken stylos avec et achètent des stylos d'occasion et se les échangent. D'accord. Alors, une communauté technique d'entraide de calligraphes, dessinateur, collectionneur aussi, Tu m'a appris à démonter mes stylos, elle est maltraitée, nous dit Lucie. Et de l'homophonie pour ce des pratiques linguistiques orales. Oui, après on peut y ajouter le calembour, enfin, tout l'univers connotatif qui participe à la désinstrumentalisation, au désoutillage à fin de communication. Voilà, bon, j'espère que tout ça a ah, été WiseBot 8Ball. Bah, merci dans ce cas-là, Clean, J'irai voir sur WiseBot. Euh, où est-ce que ça déconne Et merci pour le couvre-chef. Bon, eh bien, je ne suis pas fâché d'avoir fait ça. J'espère que je ne me suis pas trop emmêlé les pinceaux. J'espère ne pas avoir oublié euh, les aspects qui me semblaient un peu évidents par lesquels, non, on ne peut pas avoir une vision instrumentale ni du langage ni de la langue. Euh, je pense que c'était assez complet. Et on va pouvoir revenir au texte. Est-ce que vous avez des questions Ou est-ce que vous êtes déjà tous euh, morts sous cette avalanche de précision Alors, appliquons ce dernier développement au discours même qu'il porte. Ah d'accord. <laughs> Alors, on pourrait effectivement revoir l'intégralité de ce que je viens de dire et, et analyser les, les faits de langue et les opérations du langage qui viennent d'une certaine manière dire et redire ce qu'il disait. On est vivant et on veut la suite, nous dit Lucie. Eh bien, très bien. On va faire ça. On va, euh, on va aller voir la suite. Donc, on va reprendre le texte tel qu'il était, à l'endroit où ça causait après l'intervention. Euh... Alors, je vais aller assez vite sur la page 12 parce qu'en fait, on les a vus la dernière fois, mais c'est juste parce que euh, on va essayer de raccrocher les wagons, d'accord Et que ce serait dommage d'être complètement paumé. Alors, on va reprendre ici. Ainsi, nous avons constaté. Voilà. Ainsi, nous avons constaté que sous une forme ou sous une autre, la vieille opposition héritée de la pensée grecque et réactivée pendant le Moyen Âge entre réalisme et nominalisme demeurait toujours sous-jacente aux philosophies du langage. Donc, ça, vous vous souvenez, on l'a évoqué souvent. La question du réalisme et du nominalisme, elle est centrale. Elle, elle est déjà posée évidemment euh, dans l'Antiquité, mais elle va s'imposer comme question centrale entre Abelard et Guillaume Docam, les uns et les autres étant soit des réalistes, soit des nominalistes. Pour déterminer quoi Pour déterminer par où et en quoi le langage tisse des relations avec les objets du monde comme activité, et surtout, essayer de déterminer par quoi une langue. A un rapport avec la réalité sensible en quoi une langue par où une langue correspond ou pas au monde des choses ou s'en soustrait. Donc c'est le caractère euh, finalement abstractisant qui va être discuté ou voir en quoi, d'une certaine manière, la langue serait redevable dans son organisation de quelque chose du monde. Ça peut aller assez loin. Les positions réalistes, je vous l'ai dit, existent encore très fort. Donc, réaliste, c'est ce qui donne un trait de réalité au concept, qui pense que les notions et les concepts que, que nous manipulons existent dans le monde des choses, qu'il faut les traiter avec le même égard que euh, ce qui se rapporte à des objets physiques présents, matériels, et distinguables. Les nominalistes, dont je suis, euh, pensent au contraire qu'il ne s'agit que de conventions. Momentanés qui nous permettent de parler des choses, mais qui n'ont pas de caractère particulier d'existence. Les concepts, ce qu'on appelait à l'époque les universaux, euh, n'ont pas d'existence dans le monde des choses. C'est ce qui fait toute la différence entre le fait que euh, Jean-Louis existe, il est là dans le monde des choses, c'est un être humain, euh, mais que l'humanité n'existe pas. Il n'y a pas une existence de l'humanité, une action de l'humanité. Et là, vous voyez se profiler tous les enjeux politiques, évidemment. Il n'y a rien qui a un caractère de réalité qui s'appellerait la France. Et il n'y a rien qui a un caractère de réalité, effectivement, qui s'appelle l'humanité. Nous composons une façon de parler d'ensemble généraux pour nous rendre tout simplement euh, la pensée possible en manipulant des concepts. Donc, parmi des grands nominalistes historiques, il y a Guillaume d'Ockham, qui, d'ailleurs, est plus fin encore que ça. Parce qu'il comprend bien que le problème euh, du mot est moins de savoir euh, s'il est juste un nom, là tout se voit aussi, c'est un bruit de bouche, que de savoir à quoi il correspond dans les opérations. Et ce qui qu'il rend particulièrement brillant, c'est que Guillaume d'Ockham est moins un nominaliste qu'un terministe. Il pense que les mots ne sont pas vraiment des noms, ce sont plutôt des termes. Ça lui permet de passer outre, euh, pas mal de questions sur la pluralité des langues, mais aussi la question du bon mot à la place d'un autre, puisqu'il les pense comme les termes d'une relation, et que la chose importante, c'est la relation entre eux, que c'est là que tout se situe. Et euh, considéré de cette façon, alors, on peut dire que Guillaume de Cam s'ouvre vraiment à une vraie conceptualisation des moyens par lesquels dans le langage, ça pense quelque chose de nous pense et s'exerce à produire des interrogations du monde. Il comprend aussi que le caractère spéculatif ne repose pas sur la connaissance vaste, mais sur l'aptitude à produire les bonnes relations entre des termes sans justifier de l'existence de ces termes physiquement, matériellement dans le monde des choses. Donc, c'est la position terministe de Guillaume de K. Les réalistes pensent par exemple aujourd'hui que, c'est vrai chez Russell, enfin chez, chez pas mal de, de logiciens, pensent que les catégories logiques existent dans le monde des choses. Et quand Leibniz construit sa, comment, sa caractéristique universelle, vous avez bien vu voir à quel point il réactivait, enfin il activait cette certitude que les structures logiques sont la structure logique du monde. Il a une position de ce point de vue réaliste par rapport à ou formalisme logique. Alors je vais rallumer ça et ce que je vais faire avant toute autre chose par ailleurs je vous laisse le chat pour dire des conneries je vais pisser. Et me voilà. On dit que des réalités. Qu'est-ce qu'il raconte comme conneries? Glitch Des conneries, on dit jamais de conneries. Non, c'est vrai, vous dites jamais de conneries. Comment, comment je peux insigner des trucs pareils? Ça n'arrive pas. Ça n'est jamais arrivé depuis quelques années maintenant que, que je vous fréquente. Jamais ça n'arrive. Vous êtes des petits malins. Alors, si les structures logiques sont dans le monde, est-ce que tout le monde n'est que la cause-conséquence? Alors, je pense que c'est la charpente, surtout, qui intéresse euh, la question de l'ethnisme, même si, effectivement, il y a un déterminisme que ça implique. Et tu t'en doutes bien, la question du libre-arbitre, elle est extrêmement liée au Moyen-Âge, à la question des universaux. La querelle des universaux, elle est strictement superposée à la querelle des contingents futurs. Contingents futurs, c'est le terme qu'on employait à cette époque, au XIIe et au XIIIe siècle, pour parler des déterminismes, justement. Donc effectivement, vous vous doutez bien que les positions euh, réalistes, euh, elles ne marchent pas du tout cette allumette, réalistes nominalistes vont trouver une superposition importante entre déterministes et au contraire, euh, on pourrait dire euh, euh, libertin spirituel, pour prendre un vocabulaire beaucoup plus tardif, mais effectivement... Ces questions-là, les relatives à la liberté, sont assez fondamentales. Notamment parce que les catholiques se refusaient à penser, surtout des gens comme Thomas d'Aquin, à... aux êtres humains comme des marionnettes de Dieu, là où euh, d'autres positions théologiques entendront euh, ça. Donc. Euh... Cette question-là, ouais, ces deux questions sont, sont vraiment superposées. Et vous pouvez imaginer, vous vous souvenez de nos conversations sur les jansénistes et euh, comment et les euh, jésuites, vous avez compris que ce qui les séparait, c'était aussi ça. Ce qui les séparait, c'est la vision extrêmement déterministe des jansénistes. Et euh, la place du libre arbitre, au contraire, chez les Jésuites, qui trouvaient une sorte de trucage pour l'y imprimer, parce que c'est très compliqué, évidemment, de faire cohabiter euh, un monde qui est désiré par Dieu et qui vient, euh, qui a une certaine vision, une vision eschatologique, donc une espèce d'organisation avec un devenir, avec une fin du monde, avec euh, un devenir, ce qui implique à la fois une réalité euh, déterminée pour le monde et possiblement des créatures qui y vivent. Ces questions-là, elles vont être largement euh, débattues et de façon plutôt euh, pugiliste, hein, un peu euh, un peu vive, au moment de la réforme, évidemment, entre euh, les déterministes que sont les protestants et la position de l'Église catholique romaine et apostolique, qui est très différente. Alors, suis-je non? Les calembours sur eschatologique-eschatologique, c'est nul. Tu devrais avoir honte. Virginie Charpente, c'est beaucoup plus drôle. Par contre, euh, bien que ce soit parfaitement hors-sujet. Ce serait chouette un live sur la querelle des universaux et Gaël. Oui, ce serait pas mal. Dès qu'il nous revient, on peut essayer d'imaginer ça. C'est même une des difficultés majeures de la lecture des nouveaux essais sur l'entendement humain. Pour les penseurs matérialistes grecs, Héraclite, Anaxagore, Démocrite, les signes sont solidaires du réel. Il y a une correspondance entre les éléments de la matière, ou atomes, et les éléments de la chaîne parlée, ou lettres. Alors bon, on avait vu la dernière fois que cette vision complètement unifiée des présocratiques est plus que lunaire, qu'elle n'a pas beaucoup de sens, hein, parce que... Nos braves pré-socratiques, il n'y a pas vraiment d'unité conceptuelle qui peuvent là euh, euh, arc-bouter sur le même plan théorique Héraclite, Anaxagore et, et Démocrite. On a d'un côté Anaxagore, qui est un rationaliste, euh, observateur de la nature, qui effectivement a une position euh, comment euh, plutôt. Euh, Euh, comment euh, matérialiste, mais euh, Héraclite, c'est pas du tout chat. Hein, Héraclite, c'est vraiment le philosophe de l'inachèvement, euh, et sa doctrine, elle est anti-ontologiste. Les choses et les qualités des choses n'ont aucune stabilité, elles vivent que dans un mouvement continu. En bref, toutes ces écoles euh, sont assez euh, assez séparées. Euh, euh, Démocrite, euh, pardon, qui est lui plutôt un contemporain de Socrate d'ailleurs, et pas, pas vraiment à proprement parler pré même si on le range avec. Euh, en fondant l'atomisme, oui, certes, il propose une position euh, 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 matérialiste, mais je dirais que de, des trois qui sont là, c'est le seul qui a vraiment une position euh, matérialiste. Hein. Donc on ne va pas s'éterniser on l'a fait la dernière fois, j'étais assez long là-dessus, sur euh, les philosophes présocratiques. La philosophie atomistique, donc plutôt euh, comment, plutôt euh, démocritienne, si vous voulez, donc l'atome, la, le, le terme employé, donc démocrite, euh, ce n'est pas le premier à affirmer, hein, si vous voulez, l'atomisme, c'est la, un élève de Le Cip, qui va être euh, un peu le, le fondateur de cette vision du monde. Hein. Euh, Atome, c'est atoma, ça veut dire qu'il ne peut pas être diffusé, ce qui est euh, insécable. Donc pour lui, la nature est composée euh, euh, dans son ensemble de deux principes opposés, euh, les atomes d'une part et le vide d'autre part et avec entre eux rien qui coulisse qui va d'un endroit à un autre rien qui ne puisse venir du néant et rien qui ne puisse y retourner Donc, ça n'existe pas il y a une espèce de poursuite infinie de la chute des atomes le n'amène et ça ça constitue le seul plan de réalité de ces deux principes le reste ce sont des illusions hum. euh... Pour la théorie idéaliste, au contraire, les mots n'ont avec les choses qu'un lien purement conceptuel. Ils ne disent rien de la chose elle-même, mais ils désignent seulement l'idée de la chose. Ce long débat est résumé dans le cratyle où les deux conceptions s'opposent, l'une défendue devant cratyle, l'autre devant hermogène. Donc on a déjà parlé du cratyle, hein, c'est un des bouquins de Platon, qui oppose effectivement deux positions, l'une qui trouve une connivence, si vous voulez, entre la forme des mots et la forme des choses, qui pense que, les mots sont déterminés par les choses auxquelles ils se réfèrent. On avait beaucoup ri dans un texte, j'avais lu un, un texte assez long qui montrait par quel contour la pensée latine, par exemple, avait pu produire euh, un cratilisme. si vous vous intéressez à ces questions sur le cratilisme, vous pouvez lire tout simplement Jeannette. Gérard Jeannette a consacré un essai assez chouette euh, au cratilisme. Glitch, l'atomisme sans Thomas d'Aquin. Très drôle. Euh, chemin faisant, Platon opte pour le caractère naturel du langage avec cette nuance que n'est que physéie parce qu'il désigne l'essence euh, des choses. D'accord On en avait aussi évoqué la question de l'opposition physéie-théséie, donc je ne vais pas y revenir c'est grossièrement naturel, artificiel. Alors, je fais court pour ça. Que parce qu'il désigne l'essence des choses, il est aussi en tant que création humaine Thésée, donc artificielle. Donc, si vous voulez, le caractère naturel du langage, c'est aussi ce dont je vous parlais. Si on en parle comme d'une activité qui est consubstantielle à, à euh, l'espèce humaine, alors on doit lui reconnaître effectivement un caractère euh, naturel, donc euh, physée. Et effectivement, il est historiquement Thésée. Et c'est là où ça devient différent c'est que il est déductible, enfin les formes de langue sont déductibles euh, de, euh, du plan de matérialité sur lequel elles s'exercent et elles peuvent être sculptées, interrogées de cette façon. Oui, c'est ça, Mimologique, exactement, c'est le titre exact, Glitch. Mimologique, voyage en Cratilly, ouais, c'est ça. Très bon bouquin par ailleurs, on pourrait lire des extraits, il doit être pas loin d'ici. Euh, le nom est alors un instrument qui sert à instruire et à distinguer la réalité comme la navette fait le tissu. Donc, ça, c'est la. Comment le, la métaphore assez jolie utilisée par Platon, il y a quelque chose d'assez beau d'imaginer le mouvement de lien et de, de réparation de l'accro dans la trame de la signification par un jeu de navette dans les opérations de langage. Salut à toi, Donio. Quand on sait les noms, on sait aussi les choses, dit Cratil. Ce qui est privilégié pour lui, c'est donc le signifié distinct du référent dont il exprime l'essence. À ce qu'il croit. Évidemment, ça n'est pas vrai. Euh, il faut passer outre euh, le caractère complètement arbitraire du signe pour penser une chose pareille. Autre idée importante chez Platon, dans la mesure où le langage est aussi institué, il doit l'être par un législateur qui connaisse la forme idéale de la chose. Donc cet acte de nomination sera dans la Bible dévolu à Adam. Avant le péché. Donc là, on avait vu aussi en quoi c'était une vision un peu courte de l'énonciation adamique, mais bon, acceptons momentanément ça, parce qu'on va essayer d'avancer un peu dans le texte. Et je crois qu'on était rendu à peu près là. Durant le Moyen-Âge, la discussion entre réaliste et nominaliste met en jeu les mêmes concepts, bien que la ligne de partage se soit légèrement déplacée. Ces lunettes me font mal aux yeux, je vais essayer ça là. Les mots prêtent souvent à confusion. On pourrait croire que les réalistes sont dans la ligne des penseurs matérialistes et les nominalistes, les disciples du platonisme. Or, c'est exactement l'inverse. L'ambiguïté tenant au sens même du mot réel, effectivement. Euh, il va leur dire être réaliste, c'est affirmer la réalité de l'être infini, bon, d'une manière générale de tous les concepts, si vous voulez, dont les choses ne sont que l'extériorisation, c'est-à-dire la réalité des essences ou des idées à laquelle les mots renvoient. Donc, le plan de réalité. Et toujours distancié, il est très loin. Chez Platon, évidemment, c'est le monde des idées qui serait seul vrai monde. Et donc, d'une certaine manière, le monde des choses n'est que bah, la manifestation déclinée, plus ou moins abîmée au cours de cette déclinaison elle-même. Donc, évidemment, le réaliste euh, est tout sauf matérialiste de ce point de vue. D'accord C'est plutôt le nominaliste qui est matérialiste. C'est le nominaliste qui fait cette séparation radicale entre les formes verbales et la forme du monde. C'est l'inverse donc. Euh, L'ambiguïté tient au sens même du mot réel. Être réaliste, c'est affirmer la réalité de l'être infirmier, ta ta à laquelle les mots renvoient. En ce sens, le langage, comme chez Platon, est physique, puisqu'il exprime la nature essentielle des choses. Pour les nominalistes, au contraire, donc je vous ai parlé de Guillaume D'ocam, hein, euh, donc il euh, y a aussi Abelard et à Bélard, euh, y a Saint Thomas d'Aquin, il n'y a d'existence réelle que des choses particulières auxquelles les noms donnés par convention, donc là on est dans la position tsi côté artificiel, si vous voulez, correspondent, ils correspondent pardon, indépendamment de l'idée que l'esprit peut s'en former. L'esprit peut se former ses idées de ces choses indépendamment des opérations de langage qui les désignent et s'y réfèrent. Le langage a donc une fonction pure de désignation dans cette construction. Il n'est en somme qu'un instrument et n'entretient aucun rapport avec la nature au sens où l'entendait Platon, c'est-à-dire une nature composée des sens. Le caractère instrumental, il est assuré apparemment à cet endroit-là par une chose dont on a parlé. C'est la soustraction des processus de subjectivation en marche dans l'opération. Pour autant, n'imaginez pas que la question de la subjectivation soit aussi clairement exclue que le suppose ici la per personne qui écrit le texte. Je dirais bien au contraire. Guillaume de Cam est un penseur extrêmement important de la subjectivation. On disait plutôt individuation à cette époque. Hein. Euh, donc, cette grande période de la Renaissance. Euh, Comment euh, thomiste euh, entre le XIIe et le XIIIe siècle. C'est un acteur fondamental de la pensée de l'individuation, avec Dan Scott. Cette problématique joue encore un grand rôle à l'époque qui nous intéresse. Leibniz, par exemple, attaque violemment le nominalisme de Hobbes, pour des raisons qui tiennent évidemment à ses propres conceptions philosophiques. On a évoqué tout à l'heure, et je vous ai dit, en quelque sorte, dans son rapport à la suturation logique de l'organisation du monde dans un complexe logique de cause divine, alors forcément, notre Leibniz a un rapport de vérification de cette ossature générale qui passe par un réalisme. Il refuse aussi l'idée d'un langage tout de convention, c'est assez marrant, alors qu'il veut produire une langue artificielle, mais il n'est pas... On a vu à des difficultés près, il se met lui-même assez souvent dans la merde. Alors, le vocabulaire d'Occam dont tu parles, Litch, est un très chouette bouquin. Ouais, pour le coup, je le conseille vraiment. Euh, C'est vraiment une réussite. Euh, il est là, d'ailleurs. Si, si vraiment cette question. Euh, enfin, si Guillaume Docam est un mec qui vous intéresse euh, en, ailleurs que dans les foutaises que peuvent en dire les zététiciens. Qui n'en ont pas retenu grand-chose, ça peut valoir le coup de se faire des lectures de ce vocabulaire d'Occam qui permet de bien comprendre la pensée de, de, très originale de Guillaume d'Occam. Il refuse donc l'idée d'un langage toute convention où les mots n'auraient aucun rapport avec la nature des choses. Mais bon, l'essentiel est tout de même ailleurs. Et pour Condillac aussi. Donc on a déjà évoqué Condillac, qui va. Euh, prolonger, si vous voulez, euh, le comment l'empirisme le, de Locke au-delà dans euh, la pensée euh, sensualiste, dans l'idée sensualisme où euh, toute l'expérience du monde, enfin de l'expérience du monde et seulement de l'expérience du monde découle la possibilité euh, de penser. Euh, mais l'essentiel est tout de même ailleurs et pour Condillac aussi. Pierre Quentz a déjà soulevé cette question à propos de la grammaire, de l'art de parler, donc la rhétorique si vous voulez, de la pédagogie. S'il y a rupture entre monde des choses et discours, hein, et langage, pardon, s'il y a rupture, puisque le discours serait une reconquête finalement de cette position, puisque le discours, ce qu'il reconquiert, c'est la centralité corporelle de l'énonciateur. À mon avis, on ne peut répondre à cette question sans sortir du champ propre aux théories du langage et du discours. Mon impression initiale était, vous vous en souvenez, que ces théories, y compris bien entendu celles qui concernent l'origine du langage, hein, faisaient système avec une philosophie, une anthropologie, voire une politique. Dans cet espace orienté, deux lignes de force. La philosophie dite sensualiste, donc ça c'est Condillac, hein, une nouvelle conception de l'histoire. Et je voudrais souligner brièvement leur importance. Pour le premier point, Noam Chomsky, après d'autres, situe la rupture entre Descartes et Locke dans son livre sur la linguistique cartésienne. Donc Chomsky, c'est vraiment pas ma référence en linguistique, ça vous l'avez compris, puisque pour lui, le code est une langue. Donc il a un rapport à l'historicité et la subjectivation qui est plus que tordu, et il manque quand même pas mal de, je dirais, il manque pas mal de roudenté à son horloge. Hein. Alors, que dit-il le petit père Chomsky Mais bon, il faut comprendre qu'on est dans les années 70, et à cette époque, Chomsky est une référence pour un certain petit milieu intellectuel post-structuraliste. Il est assez présent dans les références de l'équipe telle qu'elle est ou de gens comme ça. Oui, le code, euh, le code de, de programme, si tu veux, des, euh, euh, des programmeurs informatiques d'Ognon. J'en avais parlé la dernière fois de, de ce credo. Euh, que dit-il C'est la philosophie sensualiste et empiriste, écrit Julia Kristeva, donc elle fait partie de l'équipe des telkéliens post-structuralistes, elle est psychanalyste essentiellement, elle bosse dans tel -quel, et effectivement sa position à cet égard emprunte hein, pas mal à euh, Chomsky, qui fournit le fondement théorique sur lequel se construira la description grammaticale du siècle. Locke et Leibniz, et en France les idéologues, avec Condillac en tête, proposent la théorie du signe, comme principe général de cette langue commune qui se manifeste dans plusieurs langues concrètes. Donc l'idée, comme Chomsky va y croire, Chomsky sera à la recherche aussi d'une grammaire universelle. Il faut qu'elle existe, que d'une manière ou d'une autre, quel que soit le dévoiement qui a conduit à la pluralité des langues, qui existerait comme euh, tissu euh, fondamental entre les langues. Donc il y a, on pourrait dire, une... c'est étrange de dire ça à Chomsky, mais L'air de rien, ça désocialise et ça déshistoricise complètement euh, les langues. Ça paraît très bizarre, hein, puisqu'on a tous en tête plutôt Chomsky dans son rapport euh, social, mais il y a un bout du social qui disparaît chez Chomsky. C'est celui qui parle. Euh... Si pour les philosophes du XVIIIe siècle, la pensée est une articulation des signes que sont les éléments linguistiques, le problème est de définir la voix. Par laquelle on aboutit de la sensation au signe linguistique. Chemin théorique et conceptuel bien compliqué, vous pouvez l'imaginer dans euh, l'empirisme radical de Condillac. Mais pourquoi La question de la genèse du langage tend à l'emporter sur celle de la nature du langage. Comment se constitue un système signifiant commun à tous les êtres sentants, donc pensants Et là, on sent bien que l'ambiguïté, en fait, c'est une ambiguïté de traitement qui superpose comme conditionnel la question du langage et la question des langues. Vous voyez bien, dans l'idée d'une constitution. Et c'est peut-être là, finalement, que vient se nicher euh, tout le dysfonctionnement de, de ces, ce jeu d'hypothèses. Tel est l'objet de la réflexion de Condillac, par exemple. Dans la même perspective, on pourrait montrer qu'un certain discours romanesque, je pense à Jacques le Fataliste, fait dériver les jeux du langage du mécanisme de l'association des idées. Dérive qui devient théoriquement possible à partir du moment où le sensualisme a creusé un écart entre le signifié et l'activité signifiante. Alors, Jacques le Fataliste, ça nous place Diderot dans une position du 18e intellectuel un peu particulière, à laquelle il est, dans laquelle il faut se plonger. Vous pouvez trouver curieux, alors qu'au fond, en France, euh, j'ai l'impression que dans les études de philosophie, enfin la vision qu'on se fait de la philosophie en général, les anglo-saxons ne sont pas si présents que ça. Au XVIIIe, ils sont très, très présents. Et pourquoi C'est juste un effet de mode. Il y a... Pourquoi je vous parle de ça à propos de Diderot Parce que Jacques le Fataliste et son maître découlent de la fascination de Diderot pour euh, le génial Laurence Stern et « Vie et Opinion » de Tristram Shandy, dont il suivait avec appétit euh, l'écriture qui, je crois, à l'époque, était feuilletonnée. Et ça va être le, la base hein, de l'écriture de son super roman « Jacques le fataliste et son maître ». roman éminemment digressif qui suit euh, par là euh, la, le fonctionnement, la construction de ce bouquin absolument génial qui est euh, « Vie et Opinion » de Tristram Shandy. Ça, je ne peux que vous encourager à aller voir. C'est intéressant, évidemment, mmh, quand on voit les effets de matérialité que euh, Laurent Stern imprime à la page du livre, qui, qui rendent assez confus d'un seul coup par euh, l'apparition dans, dans le système euh, classique d'écriture et de signes de la langue anglaise des modules qui n'ont rien à voir avec elle, mais qui s'y nouent étroitement, euh, comment, d'une certaine manière, euh, Stern joue avec les hypothèses théoriques de son siècle hein, qui naissent en Angleterre. Mmh. L'époque du 18ème, en France. C'est le moment où la langue française va bah, commencer à être dictée euh, d'anglicisme plus que jamais. C'est le moment où on va parler euh, des gentlemen pour parler des gentilshommes, où on va, on va, on va, on va jouer à des jeux anglais comme le whist, euh, on va se référer beaucoup à la philosophie anglaise. Donc il y a un moment comme ça, un moment de l'histoire de la pensée française qui est très teinté, euh, comment, euh, qui est très teinté de pensée anglaise. Kalimbourg. Et Diderot n'échappe pas à tout ça. Donc, ce « nous » très étroitement, si vous voulez, à ce moment-là, des réalités conceptuelles, des choses beaucoup plus anecdotiques, beaucoup plus factuelles, à savoir la mode anglaise du XVIIIe siècle. En ce qui concerne la conception de l'histoire, il ne faut pas oublier qu'elle est, pour les hommes des Lumières, de type cumulatif et évolutionniste. Il va de soi. Pour les... Oui, c'est ça, c'est le phénomène si tu veux, Clint. Oui, oui, tout à fait. Il va de soi pour les philosophes du XVIIIe que les peuples civilisés ont plus de mots que les peuples sauvages. Et pourquoi Parce qu'ils ont plus de besoins euh, et que pour les satisfaire, ils ont perfectionné leur art, leur technique et du même coup leur faculté pensante. Évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens. Vous, vous doutez bien que pour faire l'expérience sensible de la pluralité des couleurs, il n'est pas nécessaire d'avoir l'inventaire de la description chromatique propre à l'Europe ou à telle ou telle civilisation. La vérité, c'est que une réalité diverse n'a pas besoin d'un équivalent diverse de modalités de la langue, sinon à croire dans la position réaliste, bien entendu, une équivalence entre les degrés de matérialité des choses et la façon dont euh, les choses doivent être euh, décrites euh, d'une manière ou d'une autre, ou prescrites. Évidemment, ça n'a pas de rapport. Évidemment, il n'est pas, euh, pour dire les choses bêtement, simplement, on peut tout à fait aborder ensemble euh, un problème de philosophie euh, avec zéro vocabulaire philosophique. Ça sera peut-être un peu plus contourné, un peu plus étrange, mais il n'est pas. Euh, on ne fait pas reposer, si vous voulez, le degré de complexité d'un énoncé sur euh, le degré de complexité de son ossature euh, verbale. Ça n'a pas beaucoup de rapport. Il y a donc une histoire parallèle de l'esprit humain et du langage, ou encore de l'espèce humaine et du langage. Plus un peuple est civilisé, plus sa langue est perfectionnée. Bon, évidemment, cette notion apparaît à un moment où euh, la linguistique à proprement parler n'existe pas. Il va falloir attendre un petit peu pour qu'elle se mette en place et qu'elle devienne une discipline à part entière. Et, et en tout cas, qu'on s'équipe d'une méthode propre, d'un cadre propre, euh, d'une épistémée propre, si vous voulez, au langage. Pour qu'on commence à regarder les choses autrement, il faut attendre des gens comme Von Humboldt qui vont euh, foutre en l'air évidemment cette conception euh, euh, extrêmement euh, évolutionniste mais sur une base euh, de partition du monde extrêmement coloniale. Euh, pour Von Humboldt il ne fait aucun doute hein, il faut lire ses beaux essais sur le cavi euh, pour, pour comprendre que bah, euh, ça n'a pas de rapport en fait qu'il qu n'y a pas de, de rapport entre une société dite primitive, une langue dite primitive avec tout ça euh, que les, les degrés de complexité des langues ne se mesurent pas de cette façon que même l'idée d'un degré de complexité n'a pas beaucoup de sens euh, en tout cas pas penser de cette façon. Euh, si on en croit quelqu'un qui va commencer à se poser sérieusement lui la question des langues dans leur structure, leur grammaire comparée, etc. Donc, de bonne Humboldt, un bon siècle après. Si tous les hommes sont doués de parole, toutes les langues ne se valent pas. Elles n'ont pas le même statut. Elles ne sont pas toutes susceptibles des mêmes progrès, et seules quelques-unes d'entre elles peuvent atteindre un point de perfection. Donc, on retrouve finalement vous cette espèce de composition extrêmement hiérarchique européenne au centre, bien entendu, qu'on avait trouvée si déplaisante quand elle se basait sur les classes sociales avec le Père Bourg et les Jésuites, mais finalement là on la retrouve tout entière réinstallée sur le plan de la belle rationalité européenne, de la belle rationalité scientifique, de l'encyclopédie et de choses de ce genre. Au fond, on retrouve, si vous voulez, cette espèce de construction extrêmement favorable pour une société à l'image qu'elle se fait d'elle-même. En l'occurrence, la société européenne par les Européens. Et pas n'importe laquelle, hein. une petite partie de celle-ci euh, instituée par les scientifiques, les savants, etc. Donc on n'est plus dans les, les classes sociales de, 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 de Perbourg et l'aristocratie euh, de, 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 de classe, mais on est dans une espèce d'aristocratie intellectuelle qui est celle euh, des sciences. Si tous les hommes sont doués de parole, toutes les langues ne se valent pas, elles n'ont pas le même statut, tatati C'est à l'intérieur d'une telle philosophie, au sens large du terme, qu'il faut essayer de situer les théories du langage et marquer la rupture, si rupture il y a. Donc là, on va arriver à, euh, au dialogue, à proprement parler, à l'intérieur de, de tout ça. Euh, avant de vous lire la suite, ce petit dialogue, je pense que ça serait intéressant pour référer à, à ce que je vous disais euh, tout à l'heure. Euh, par rapport au, à langue-langage, un petit extrait très court que je vous livre brut, mais comme matière à réflexion euh, de Méchonique dans euh, Sémiotique et Poétique, euh, qui va parler hein, un petit peu euh, de ce à quoi je référais tout à l'heure. Attends, est-ce que. J'aurais peut-être dû lire ça tout de suite après mon intervention sur euh, la description langue-langage. Non, ce n'est pas le bon moment. J'ai tort de faire ça maintenant et je le ferai à la fin. Ce sera plus malin. Euh, là, on va se couper. Euh... Non, ce n'est pas une bonne idée. Je, je devais vous lire ce texte tout à l'heure, mais peut-être pas là. Restons dans le sujet, c'est mieux. Bah, J'ai peu préparé ce soir, hein, donc euh, j'avais l'intention de vous parler de deux, trois trucs, et c'est peut-être mieux d'essayer de suivre une méthode un peu plus linéaire, à mon avis. J'ai loupé le coche tout à l'heure, mais c'est pas très grave. On verra ça tout à l'heure. Donc, c'est Michel Jallet qui intervient en premier. Tu vas parler de la conception d'Héraclite. Il est vrai que Platon dit qu'elle est réaliste, en ce sens que dans la thèse de Cratyle, il est admis que les mots, les significations linguistiques représentent les choses. Tu as employé à ce propos l'expression philosophie atomistique. Oui, pour Héraclite, ça n'a pas beaucoup de sens. Je crois qu'il faudrait préciser, atomistique peut désigner aussi une conception physique. Une théorie atomistique en Grèce suppose la matière constituée d'éléments derniers matériels. Donc oui, c'est un matérialisme. Il semble dangereux d'appliquer ce terme à une théorie du langage qui prétend qu'à chaque élément de l'idée correspond un mot pour la raison suivante. Quelqu'un comme Leibniz, par exemple, qui admet que les significations doivent correspondre à des éléments idées auxquels on aboutit par analyse, est par ailleurs complètement opposé à une théorie atomique en physique. Oui, ce n'est pas le, le moindre des raccourcis qui ont été empruntés par Duché. Que répond Duchet Il s'agit de Michel Duchet, la deuxième Michel hein, du colloque. Elle dit... En effet, j'ai employé le mot atomistique en me référant aux philosophes pour lesquels il y a analogie entre une théorie de la matière et une théorie du langage. Le langage combine des éléments simples comme la matière fait des atomes. mais Elle l'a fait en tenant aucun compte hein, de ces fameuses théories. Mais Héraclite n'a pas du tout une conception atomistique de la matière, par exemple. Il s'agit d'éléments réels en ce sens qu'ils reproduisent la nature atomistique du monde lui-même de l'univers matériel. On retrouve cette conception chez certains utopistes qui pensent qu'on peut faire correspondre un son ou une lettre à chaque élément simple de la création, par exemple aux quatre éléments, eau, terre, air, feu, et créer ainsi une langue qui, par la combinaison d'éléments phoniques ou syllabiques, exprimera la complexité du réel tout en restant transparente. Il bon, faut avouer que Michel Duché prend quand même beaucoup de raccourcis en rabattant des pensées sur le même plan. Parce qu'elle veut aboutir à une espèce d'unité comme ça, de rapport au monde, à travers des, des philosophies antiques qui sont quand même plutôt différentes les unes des autres. À quoi j'allais répondre assez logiquement si tu avais raison, les mêmes philosophes qui admettent la structure atomique de la matière devraient soutenir une théorie réaliste du langage. Et donc, Duché dit. Non, c'est là qu'est le paradoxe, ou plutôt l'ambiguïté dont je parlais tout à l'heure. Ils sont au contraire nominalistes. Pour eux, le langage correspond à un besoin. Il est lié à une certaine activité humaine. Et c'est ce besoin, cette activité qui pousse l'homme à donner aux choses singulières leur nom pour des raisons pratiques. Vous noterez qu'évidemment, duché se réfugie, mais bon... Elle n'a pas forcément tort de le faire à cet endroit-là, parce que on doit supposer, si on se réfère, par exemple, euh, au problème tel qu'il est exposé par Platon dans son propre *Cratyle*, une vision très substantive de la langue. Donc, acceptons que si s'en tient aussi à cette vision substantive, c'est que, au fond, on... elle est également très présente hein, dans euh, les, théories, euh, les théories antiques du langage. Le langage est donc institution, dit-elle. Sauf que là, euh, ce n'est pas tout à fait juste. On, ce dont parle a priori Cratil et euh, la mimologique dont parle Jeunette, c'est plutôt de la langue que du langage. Hein. Euh, on sait bien que là-dessous, il, il, il y a une recherche de suturation souterraine, c'est-à-dire d'une combinatoire entre la façon dont les langues vont prendre forme et une certaine idée de l'organisation du monde qui, d'une manière ou d'une autre, existerait aussi structurellement dans l'ossature euh, des langues et supposément comme principe dans le langage. Vous voyez bien toute la nuance qui y a opéré. Or, comme cette séparation langue-langage, vous pouvez facilement imaginer qu'elle est assez peu pensable, finalement, dans les théories antiques pas pensé. alors ça veut dire qu'il va devenir difficile en elle de les séparer. Mais le problème c'est que le plan dans lequel s'inscrit duché devrait être un plan distancié, dans lequel, à cet endroit-là, elle devrait refaire cette part. Et C'est-à-dire que regarder les faits observés à ce moment-là plutôt comme des faits de langue que des faits de langage. Ce qu'elle ne fait pas, c'est-à-dire qu'elle fait durer l'ambiguïté jusqu'à son expérience elle-même d'analyse de la situation. Ça me semble dangereux. Le langage est donc institution, mais il est aussi nature, puisque ses éléments sont analogues à ceux qui entrent dans la composition de la matière. C'est là qu'on pourrait dire qu il est plutôt euh, institution comme langue et nature comme langage, il me semble. Et que c'est là qu où finalement la partition existe chez les antiques. C'est notamment là, entre Thésée et qui s'opère finalement cette différence. Entre ce que d'aucuns appellent faculté et que je préfère appeler activité, et les langues comme système euh, historicisé. Bon. Simplement, le mot nature a ici un tout autre sens que chez Platon, pour qui la nature est un ensemble d'essences. Donc, ils sont manifestés hein, depuis les idées, si vous okay. voulez. Alors, j'allais. Quelle est alors la nature de la correspondance entre le langage, qui est institution, et la structure atomique de la matière. Bah oui, à partir du moment où cette séparation n'est pas clairement faite par Duchet dès le départ, euh, on retrouve les problèmes épineux euh, impliqués, si vous voulez, par euh, la partition antique. Épicure, par exemple, ou Démocrite, qui admettent que la matière est faite d'atomes insécables, devraient par ailleurs avoir une théorie réaliste du langage. Or, c'est le contraire. Ce sont les atomistes en physique qui soutiennent que le langage est conventionnel. C'est pourquoi je m'élève contre le terme d'atomistique employé pour caractériser le langage dit naturel. À quoi Juchet répond Oui, c'est en effet le lien à l'intérieur du nominalisme entre l'idée d'un langage conventionnel institué et l'idée d'un langage naturel parce que analogue dans sa forme et son fonctionnement à la matière elle-même, qui n'est pas facile à comprendre. Peut-être qu'elle n'est pas facile à comprendre parce que. On peut dire qu'elle n'est pas super bien exposée à cet endroit-là par Duché, il me semble. Qu'elle a l'air aussi, en passant, de se foutre un petit peu, quand même, du euh, territoire euh, métaphysique euh, réel de ces différentes philosophies antiques. Mais bon. Peut-être que j'exagère, peut-être que c'est moi qui suis euh, un, peu, un peu trop euh, à exer... enfin, attentif à des détails, mais euh, sans eux, on va avoir du mal quand même à, à se comprendre. Hein. Alors on parlait des difficultés d'une de, de, pensée outillée à, à s'effectuer dans une, une bonne résolution d'un problème. Ben voilà, le problème n'est pas résolu. C'est le sens des termes qui change et leur économie d'un système à l'autre. À quoi j'allais répondre. Les matérialistes, historiquement, admettent que les réalités dernières sont des individus singuliers, donc des réalités concrètes. Donc c'est hyper important hein, dire que ça, c'est écarter hein, la, la position selon laquelle les, euh, les choses non singulières, enfin les ensembles finalement, les conventions de pensée par lesquelles, euh, par lesquelles plutôt euh, on rassemble pour penser et pour parler euh, des identités singulières, concrètes, en gros les choses manifestées du monde dont on parle en ensemble. Cette opération, elle, je dirais, assez spontanément faite euh, par la conceptualisation que proposent les langues. Si vous voulez, quand vous dites le mot euh, chaise, vous parlez. Si vous dites euh, les chaises sont ceci ou cela, il y a un moment, euh, il y a un moment de conceptualisation et généralisation dans laquelle vous n'êtes pas en présence d'une chaise. Et à partir de là, la chose dont vous parlez n'a pas de caractère d'existence. Vous pouvez toujours vous dire oui, mais une chaise est un élément matériel. En dernier recours devant une proposition euh, incarnée. Mais en fait, si vous parlez de chaise en un sens général, vous y imprimez en creux l'infinie variété des possibles qui combinent la possibilité d'être une chaise. Et non pas telle forme de matérielle dessinée par tel mec avec tel truc, tel, tel euh, dossier, euh, tel pied. Mais bien une opération, une généralité qui est une convention de langage. Donc ça commence là, si vous voulez. La question du conventionnel, ça peut commencer dès lors, finalement, qu'on parle. C'est-à-dire, dès lors que sont évoquées l'exposition des singularités, on a déjà commencé euh, à être dans le, comment, dans le... dans le général. Et donc, euh, dans une position à garder nominale, si vous voulez, nominaliste. À partir de là, il est évident qu'ils ne peuvent plus accorder que le plus réel soit constitué par les idées abstraites, c'est-à-dire les concepts. Salut à toi, euh, Tuti où Tu est ce que tu viens d'atterrir euh, sur la chaîne bande dessinée Ils vont t'expliquer dans le chat. Tu, tu peux poser des tas de questions, n'hésite pas. Donc c'est pourquoi les nominalistes sont en général des philosophes qui admettent que la réalité dernière est individuelle et concrète. Et qu'elle s'aperçoit par l'essence. Là, vous voyez effectivement tout le lien qui peut se faire avec euh, la position euh, des empiristes radicaux, hein, avec euh, Locke, avec Condillac. C'est la lecture d'un compte-rendu d'un séminaire euh, Frosty stimouti consacré à, euh, aux théories du langage et aux théories des langues. Euh, à la période de Leibniz, donc à l'articulation 17e, 18e siècle, comment on pense la langue, comment on pense les faits de langage à ce moment-là, et euh, quelles sont les différentes positions qui sont proposées autour de Leibniz notamment, et du rêve qu'il avait de construire une langue universelle. Voilà. Euh, ainsi, on pourrait montrer que Spinoza est nominaliste, parce que dans le Spinozisme, bah, les véritables réalités sont des individus. C'est également le cas de Hobbes. Et ne peuvent pas être non minimalistes, les philosophes qui prétendent que le réel, c'est l'abstrait. Je crois en effet que ce qui entraîne des confusions, c'est le sens du mot réalisme. Vous avez vu le bordel. Le sens du mot réalisme, vous avez vu toute l'ambiguïté qu'il y a, puisque l'opération par laquelle on peut définir euh, une position réaliste, c'est une opération en fait complètement extraordinaire vis-à-vis -vis de la réalité. C'est-à-dire que la position réaliste, au fond, injecte dans la réalité des caractères abstrait, donc qui vont à contrario, si vous voulez, de l'intuition qu'on aurait pour comprendre le mot réaliste. Ça, ça rend un peu, ça fait tourner la tête parce qu'effectivement il y a une, implicitement un vrai problème. Hein, vous voyez à, à cet endroit-là pour comprendre de, de quoi parle le, le, le mot réaliste, qu'est-ce qu'il nous dit. Platon est réaliste. Alors là vous dire ah oui, donc l'idéaliste est réaliste. Oui. <laughs> en fait oui, Platon est réaliste puisqu'il Exprime une existence des idées, il pense que les idées existent vraiment et que ce sont à vrai dire les seules choses existantes, que les, leur, les objets auxquels vous vous confrontez de façon empirique, ce sont que des manifestations déclinées des idées qui sont les vrais existants. Ah oui, bah vous devez arriver à cette proposition que vous devez comprendre. Je comprends que ça soit contre-intuitif comme façon de dire les choses, mais l'idéalisme est réaliste dans ce sens. Donc, Aristote aussi, euh, tous les philosophes le sont, bon, ça ce n'est pas tout à fait vrai, hein, mais tout dépend de leur définition du réel. Platon, parce que le plus réel, pour lui, ce sont les idées. Bon, ça c'est ce que je viens de vous dire, ce qui n'est pas du tout le cas d'Aristote. Hein. D'une manière générale, on constate que les philosophies nominalistes sont celles qui admettent que le réel, c'est l'individu et non pas l'universel et l'abstrait. Et là, vous comprenez mieux. Parce que, bon, là, on parle de l'individu, on parle, si vous voulez, de. La chose connaissable, identifiable, localisée dans le monde sublunaire. Ouais, L'objet, la chose, la créature. Mais évidemment, par le fait de langage, la créature apparaît à elle-même et, du coup, est mobilisée quelque chose comme la possibilité de se poursuivre dans le plan de réalité en s'inventant à soi-même. Et là, vous voyez comment peuvent se superposer des questions de langue, de langage et des questions de subjectivité. C'est précisément pourquoi Guillaume d'Occam est philosophe de l'individuation. Parce que au fond, s'il y a quelque chose qui se superpose à l'individuation, comme pensée du sujet qui devient dans le monde des choses, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la signifiance. Hein, cette position ayant énonciative, je vais refoutre une bûche dans le feu. Oui, tu as raison, Lucie. Le terme réaliste, un... il n'est pas. Pratique, je sais pas si c'est terme, mais oui tu ne te trompes pas. Il est problématique et il fait que souvent, souvent, en conversation, si tu veux, à l'extérieur d'un cadre philosophique, on est dans la merde, parce que euh, on se fait très très mal comprendre. Euh, spontanément, la plupart des gens vont superposer euh, réalisme et matérialisme, alors qu'en fait non. C'est bizarre, ou pragmatisme, alors que non. continue, c'est le bordel. Hein. Euh... Qu'est-ce qu'elles ont, mes enceintes suspendues, ça ne te plaît pas <laughs> Le son est super. Hein. Euh... D'ailleurs, la querelle médiévale se noue autour de la réalité du concept ou de la chose concrète. D'accord donc là, on en a parlé tout à l'heure, un petit peu de la réactivation de ce bordel euh, au Moyen Âge, donc à la période XIIe-XIIIe, où notamment pour des raisons simples, enfin des raisons purement factuelles, je vous ai expliqué que euh, si on voyait apparaître la, comment la, la pensée de Locke ou ou de Hobbes, euh, enfin, des anglo-saxons au XVIIIe, c'est pour des raisons beaucoup plus anecdotiques, anglomanie, engouement pour euh, l'Angleterre. Donc des fois t'as un fait de société tout simple, tout bête, qui va bouleverser les champs de la pensée et acculer à, à poser des questions sous une autre forme. Et ce qui se passe là, euh, ouais t'as du mal à terminer. Oui je comprends euh, tout y euh, smoothie, il y, y a là un plan euh, juste lexical quoi, euh, qui est propre, si tu veux, à la philosophie. Et, mais bon, on en cause, donc on peut, on peut s'expliquer. Mais qui peut poser plein de problèmes selon les situations de discours, quoi, avec qui vous parlez, de quoi vous parlez. Il faut qu'on se comprenne à cet endroit-là. Et donc bien être de, de quoi on parle. A pourquoi les, la querelle euh, des contingents futurs euh, et la querelle des universaux explosent comme ça euh, à partir du 12e siècle C'est à cause des Arabes. Parce que les Arabes, eux, ils ont travaillé le texte grec, ils ont travaillé Aristote, tout simplement parce que il euh, y a toute une longue histoire de la pensée grecque qui se poursuit dans le bassin méditerranéen, euh, et alors qu'elle va être brutalement stoppée dans toute une partie du nord de l'Europe. En gros, Disons les choses bêtement, mais rappelons-le, il faut lire Alain de Libera pour bien comprendre ce que nous devons à la pensée arabe à ce moment-là. Eh bien, euh, les Français, les Anglais, enfin, les, les Européens du Nord ont perdu Aristote en cours de route. Et pendant des siècles, on n'avait plus les textes, on ne lisait pas, on ne l'étudiait pas. Donc, on lit des petits bouts, si vous voulez, euh, de textes euh, qui sont résiduels de la, la vie intellectuelle et monacale euh, avant euh, la, la révolution du XIIe, e Il y a une perpétuation de lecture d'un tout petit pan de, de la culture antique dans la Renaissance carolingienne, donc autour du 9e siècle, mais en fait, les textes sont pas là. Il y a plein de choses qui sont pas pensées. On, on attribue à Plotin des textes de, de Platon, euh, c'est-à-dire qu'on prend les néo-platoniciens euh, dans un régime euh, de, de, de questionnement euh, qui, qui est euh, qu'on qu superpose à celui de Platon, c'est un peu euh, confus. Alors, on produit des poissons très, très originales et passionnantes, hein, mais euh, il manque des bouts. Et il manque notamment énormément à Aristote. Et euh, pendant ce temps-là, pendant des siècles, eh ben la pensée arabe travaille avec la pensée grecque beaucoup plus en profondeur. Il y a un gros héritage aristotélicien qui s'est développé dans la pensée arabe. Et dans le choc de la rencontre culturelle du XIIe entre la pensée juive, la pensée arabe et la pensée chrétienne, explosent des propositions théologiques qui acculent les théologiens, les intellectuels et les philosophes français à penser Aristote désormais pour Tenter de le rendre opératoire et combinable, parce que ça les intéresse, parce qu'ils sont passionnés par ça, Thomas d'Aquin, c'est un exemple magistral, comment on fait cohabiter ça avec la doctrine chrétienne. Comment on fait marcher ça Et pas seulement contre la pensée arabe, parce que évidemment on est l'ennemi théologique, mais tout simplement parce qu'on prend au sérieux la pensée aristotélicienne mais il y a des tas d'endroits par lesquels eh ben, il va falloir, bon an, mal malin, aux chausse-pied, faire rentrer euh, les, euh, comment, les, les vieux présupposés néoplatoniciens dans un univers qui n'est pas du tout leur, avec des nouvelles propositions théologiques, etc. Les Arabes, en plus, donc, ont un rapport à la question du devenir et de l'horizon et des contingents futurs, donc du déterminisme qui est très différent. L'Église catholique romaine doit défendre la question du libre arbitre qui est quasiment doctrinal sur certains points. Euh, et ça veut dire qu'on rentre dans une dispute euh, au sens le plus noble de ce terme hein, théologique, philosophique à ce moment là donc euh, c'est pas pour rien que ça explose là, il y a une nécessité qui est Contingente au siècle, et à un truc qui n'a pas grand-chose à voir avec euh, le pur questionnement philosophique, c'est juste la rencontre avec une, un peu brutale avec une autre civilisation, ses propositions avec Maïmonide pour les Juifs, avec, avec Averroès pour la pensée arabe, euh, et il faut composer tout ça. Voilà, voilà, on leur doit beaucoup à ces querelles. Où j'en étais euh, si on dit qu'il y a une théorie atomistique du langage, je me demande si on n'est pas victime d'une illusion rétrospective qui vient des idéologues. Les idéologues, c'est qui Ce sont les philosophes qui ont suivi Condillac et qui admettent que les idées peuvent se diviser en éléments irréductibles, ce qui est d'ailleurs déjà très explicite dans la théorie de Leibniz. Donc ça, on l'avait vu. Une des propositions de Leibniz repose énormément hein, sur cette idée. C'est pour ça que là, effectivement, on en vient à parler d'un atomisme des idéologues. Selon laquelle, pour procéder à l'invention de cette espèce de, de langue rationnelle et logique, euh, il faut aller dans le tréfonds du concept, voir à quel endroit il est comme l'atome insécable, atoma à son tour. Là où le concept cesse d'être. La réunion de petits concepts assemblés, où on a isolé les concepts fondamentaux pour partir enfin vers une espèce de grammaire euh, des idées premières. Voilà. Vous voyez, une espèce de réduction comme ça. Tu dis Plotin-Platon, ça sonne un peu pareil, dit Clint. Oui. Oui, oui, je... Si tu savais jusqu'où ça peut aller, euh, cette superposition, euh, je ne vous ai jamais parlé du récentisme russe, mais il y a de quoi se poêler, et ça repose sur ce genre d'analogie à la con. Ben, <laughs> pourtant, on est très loin euh, de la même chose. Oui, d'où monade, exactement, glisse, complètement. Oui, c'est le principe même, oui, de, aussi, complètement. Cette avancée-là vers, euh, on pourrait dire, le principe, aller vers le principe, donc euh, principe unitaire. C'est euh, au cœur finalement de la métaphysique lamnésienne. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que ces éléments des idées sont conçus comme des résultats de sensations. Bon, ça, c'est l'hypothèse sensualiste de Condillac. Hein. Autrement dit, pour les idéologues, les idées étant le produit de sensations composées, lorsqu'on décompose une idée, on arrive à des atomes de sens. Les idéologues peuvent alors, avec beaucoup de cohérence, montrer qu'il y a eu en rapport entre les éléments des idées issues du sensible et les atomes matériels, chose qui est inconcevable dans une philosophie comme celle de Donc Il y a donc bien une théorie de l'analyse des idées qui ne correspond pas à une théorie atomique de la matière. C'est évidemment intéressant cette espèce de retroussement sur le maintenant que réclame Michel Chalet, qui est hyper important. On est pile c'est marrant, c'est de voir à quel point nous, les deux séries de live, entre les lives sur, euh, quand, les lives du dimanche sur euh, bach et cela n'arrête n'arrêtent pas de se croiser Alors, vous avez vu, on a parlé énormément de Hobbes euh, avec bach et cette idée de devoir à un certain moment admettre qu'on peut pas faire semblant trop longtemps d'être dans la place idéale de l'objet qu'on ausculte donc jouer à être grec pendant un moment euh, comme lui disait euh, jouer à être euh, avec Chardin ou avec Piero della Francesca il y a un moment où on doit accepter l'idée que l'endroit depuis lequel on pense, il a une structure conceptuelle et historique à laquelle on ne peut pas renoncer. On est obligé à un certain moment d'arrêter de jouer au con et de ne pas refaire inlassablement le coup de l'historien, c'est-à-dire ce coup par lequel on croit avoir à gagné à la proximité du concept parce qu'on a gardé les conditions imaginaires de l'environnement historique du concept. De fait, ce n'est que du théâtre de, e de la pensée. Nous théâtralisons un moment notre pensée pour prétendre rendre compte un peu plus légitimement des idées du passé dont nous parlons, mais de fait, c'est depuis le présent qu'on doit sans cesse recourir. Au moment d'analyse, à ce que nous sommes vraiment en train de faire à cet endroit-là. Quelqu'un peut m'expliquer ça Je suis nouvelle. Euh, quel est ton ça <laughs> Chocotom6, bienvenue à bord. Euh, le, le, Peut-être dans le live, ils vont. Si tu précises mieux ta question de là où on est, ils vont pouvoir te répondre. Non, docteur Wack, ne commence pas à euh, chipouiller les nouveaux venus et les nouvelles venues. C'est mal de faire ça. Bon. <laughs> Essayez de répondre sérieusement aux questions qu'on vous pose. Euh, si t'as une question plus précise je peux je peux y répondre, mais le plan général c'est compliqué, d'autant que on aborde des questions qui sont pas toujours euh, simples. Et là on est depuis deux heures dessus, donc tu te doutes bien qu'on est à un moment euh, du, du parcours euh, euh, qui est déjà largement nourri hein, de tout ce qui s'est dit. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais on... euh, Ce qui fait ces rupture, donc c'est le sensualisme. Donc, le sensualisme, hein, c'est le nom qu'on donne à la théorie de Condillac. Parler d'une atomistique du langage, c'est vrai à l'intérieur d'une théorie sensualiste. Mais ça ne peut pas être vrai pour une philosophie comme celle de Descartes, donc a fortiori pas Descartes, ou de Leibniz, qui serait absolument opposée à l'atomisme physique. D'autre part, je suis bien d'accord pour dire que la conception du temps, telle qu'elle apparaît dans la philosophie des Lumières, est continuiste et accumulative. Je pense d'ailleurs qu'il y a. Une exception de taille, et cette exception, c'est Rousseau. Euh, on ne peut pas considérer que la temporalité rousseauiste soit, elle, continue et accumulative. Alors, ça, c'est un détour de passe-passe par lesquels on construit l'histoire d'une pensée. J'ai entendu dire tellement de sottises euh, sur le 18e siècle. Euh, ah, je me souviens plus de cette intervenante. Enfin, c'est une historienne qui nous parle de, du pré-romantisme fondamental du XVIIIe, parce que tel aspect l'en intéresse plus. Mais à chaque fois, il faut relever la moitié du truc, tu vois. Il faut, il faut virer la moitié des philosophes. Euh, merci pour le, le follow toutifrotimousti, smoothie pardon. Le, on peut pas penser le 18e euh, comme une espèce d'unité euh, de désir ou de construction du monde ou de modèle philosophique, puisque cohabitent des tensions extrêmement, euh, comment, extrêmement euh, euh, larges entre des plans de philosophie bah, euh, qui s'entendent pas très bien. Pourquoi, par exemple, Rousseau est tellement écarté euh, des propositions quand on pense au XVIIIe siècle? Parce qu'on a sanctifié euh, l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, qui est cool. Alors, clairement, je vous le cache pas, c'est un sacré foutu truc. Mais c'est une des modalités de la vision, euh, effectivement, euh, continuiste, progressive euh, de, comment, de, de la pensée ou de l'organisation du monde, de l'organisation du langage. Mais il y a d'autres types qui pensent d'autres trucs. Je vous ai souvent fait part de ma passion pour Sade. Sade est un philosophe central de, comment, de le, du XVIIIe siècle. Mais si on doit intégrer Sade, on est dans la merde, parce qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent plus avec les autres plans philosophiques. Euh, Sade, quand il se pose euh, la question ou du mal, ou du pouvoir, ou, euh, ou de l'origine, il propose tout à fait autre chose. Euh, Sade, par ben, exemple, est un des pionniers de la pensée de l'enfance, à avoir exprimé l'idée que se constitue le devenir d'un sujet dans les premières années de sa vie. En gros, ça jette les balles de la psychanalyse, d'une certaine manière. En tout cas, le plan historique et traumatique est pensé par ça. Donc, voilà, un philosophe, il faut composer avec, il existe, c'est le XVIIIe siècle aussi, et ça compte. Et Rousseau, ça compte, sauf que qu'on a pris l'habitude de le tenir à l'écart, en héritant finalement de l'écart dans lequel il était tenu par ses contemporains. Euh, surtout Voltaire le méprisait assez copieusement. Donc on hérite un peu de ce bordel. Salut à toi, Solarius. Merci pour mon couvre-chef. Donc voilà. Ce que répond Chevalier? Il dit Tu dis qu'avec Locke apparaît une rupture avec le cartésianisme. En ce qui concerne la grammaire, je pense que c'est pas de rupture qu'on peut parler. La logique et la grammaire de Port-Royal, dont je vous ai pas mal causé, hein, euh, avait introduit un certain... Alors pour les petits nouveaux et petites nouvelles, là je renvoie plutôt bon, toute la série de ces lives sur la mise et -nice l'histoire du langage euh, entre le 17e et le 18e. Vous pouvez vous reporter à ce qui est podcasté sur la chaîne YouTube, comme ça vous pouvez suivre le fil des idées petit à petit. On a commencé avec ça, avec l'opposition entre les dialogues entre Aris et Eugène. Position jésuitique et grammaire de Port Royal, logique de Port Royal, position janséniste. Donc, là, vous pouvez vous référer au tout premier live, ça parlait de ça. Et euh, voilà. La logique et la grammaire de Port Royal avaient introduit un certain nombre de concepts fondamentaux. Par exemple, le concept de représentation, qui était le rapport entre les idées, les jugements et le raisonnement. Mais ce qui était absent de tout ça, c'était une théorie du signe. Oui, c'est assez rare hein, que enfin, cette espèce de combinaison générale, elle exige d'avoir une vision très claire, finalement, euh, de ce que sont langage et langue, et peut-être de les avoir déjà partitionnés, pour pouvoir penser qu'il soit nécessaire de euh, combiner tout ça comme un seul et même problème. Euh... Alors, de là à en déduire qu'on ne peut pas imaginer. Euh, une philosophie de la connaissance sans l'accompagner d'une philosophie du langage, je pense que oui, enfin, pour ma part. Ouais. Ce qui apparaît avec Locke, c'est la possibilité d'étudier les problèmes de la signification. Ça me paraît correspondre à quelque chose d'assez remarquable, qui est que la grammaire de Port-Royal n'a pas été exploitée et qu'on est resté enfermé dans le formalisme ancien. Tandis que ce qu'on voit apparaître à partir du début du 18e, c'est un renouvellement de la grammaire qui est dû au fait qu'est introduite une recherche portant sur la signification. Dans la mesure où à la suite de Locke, on pouvait étudier l'origine des idées par association, par rapport aux, aux sensations, etc., on pouvait penser les problèmes du sens et de la signification. Il me semble que si la grammaire générale se développe en particulier à partir de 1720 jusqu'en 1750, puis jusqu'aux idéologues, donc le Condillac, etc., c'est parce qu'à l'intérieur du dispositif fixé par Port Royal, la descendance de Locke permettait de faire jouer une théorie nouvelle de la signification. Donc désolé hein, pour les nouveaux venus, il vous manque les plans euh, de Port Royal. Je vous invite à vous référer à tout ça. Je, moi j'ai pas très envie de revenir dessus parce qu'on a pris quand même beaucoup de temps. Donc euh, ça demande quelques prérequis. C'est pas grave, hein, on pouvait comprendre la suite, c'est pas très grave. Hein. Donc je ne vois pas là une rupture, mais une articulation. On part d'une théorie existante, mais on exploite ce qui dans cette théorie était jusque-là alors inexploitable. Donc c'est un plan aussi qui est hyper intéressant, c'est de se demander, ce qu'on se dit souvent, oui, tel... tel euh, Telle invention, que ce soit un concept, que ce soit une production humaine hors concept, c'est bizarre qu'elle apparaisse là et qu'on ne s'en empare pas. Mais c'est parce que la question des nécessités, elle est vraiment importante. C'est pas seulement que vaut le concept, mais qu'est-ce qu'il vaut dans un contexte. Pas de concept sans contexte. Il y a un moment où pour qu'il explose, il faut une disponibilité de plein de choses. Il faut une disponibilité qu'on pourrait dire discursive, à savoir qu'un concept dialogue bien avec les autres concepts en place et euh, il faut une disponibilité socio-historique, c'est-à-dire que une société est une nécessité de tel ou tel truc on peut inventer un truc révolutionnaire à un moment, mais qui n'intéresse pas telle société. donc, elle va rien en faire à ce moment-là. ça peut vous paraître bizarre, parce que, entre-temps, cette chose, se sera imposée, aura explosé euh, dans notre société. Alors, mais, en fait, c'est une évidence. sauf qu'il n'y a pas l'évidence, en fait, à l'explosion de la nécessité. c'est extrêmement euh, euh, conjoncturel, euh, contingent. Hein. alors, que dit duché à tout ça? le problème est de définir le sens du mot rupture. Quand on parle de rupture épistémologique, ça ne veut pas dire que tout change d'un seul coup. Une rupture, donc dans le, 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 le cadre de scientificité ou d'analyse des fonctionnements de la science à un certain moment épistémologique. Il y a des lignes de fracture. Mais l'important, c'est que tout à coup, on se met à lire autrement des choses qu'on lisait jusque-là d'une certaine manière. C'est ce qui s'est passé au moment de la Renaissance pour les anciens, lorsque par exemple on se met à lire certains auteurs qui laissaient entendre ce qu'ils avaient peut-être déjà pensé, qu'ils avaient pardon, déjà peut-être pensé ce que disait Galilée, et qu'on va chercher dans ces auteurs obscurs des arguments à l'appui du système de Galilée. Il n'y a pas de rupture absolue dans un état de culture donné, donc ça revient à peu près à ce que j'étais en train de vous dire. D'accord cette question de la disponibilité, liée à celle de la nécessité, elle va réorganiser les productions du passé au profit des euh, explorations du présent. Euh, y, là, ils ont pris l'exemple de Galilée, mais si on prend l'exemple de la Renaissance, c'est exactement la façon dont explosent certaines idées antiques, parce que à ce moment-là, la position humaniste, bien que nourrie euh, d'antiquité, hein, est quand même une position qui se qui va pro problématiser la justification de, de l'homme, du singulier et de l'individu dans une nouvelle conception mieux adaptée à cette forme de, de, de société naissante, industrielle, et euh, que euh, cette position humaniste va pouvoir recourir à des propositions antiques qui viennent alimenter, alors évidemment la plupart du temps c'est des fantasmes, mais on fantasme toujours les œuvres du passé. De la même manière, quand je vous parle de l'Aristote de Thomas d'Aquin, c'est l'Aristote de Thomas d'Aquin, hein, c'est pas Aristote mais d'un seul coup à cet endroit-là la, la conjonction que je vous évoquais entre la pensée arabe qui déboule avec euh, Aristote et euh, la pensée néoplatonicienne euh, comment euh, qui existe à ce moment-là dans l'Europe du Nord cette rencontre-là produit des formes de nécessité différentes et va réarmer euh, pas seulement pour l'Europe du Nord parce qu'elle avait perdu son Aristote mais parce qu'une nécessité nouvelle lui apparaît euh, de donner du sens à, à ses productions antiques J'allais dire, il est difficile de penser que le sensualisme de Locke fait rupture pour le XVIIIe, parce qu'avant Locke, il y avait Hobbes, qui est également un philosophe sensualiste. On peut comparer ce fait avec la relative stagnation de la logique et de la grammaire de Port-Royal. Vous comprendrez aussi que la stagnation de la logique et de la grammaire de Port-Royal, vous avez bien pigé qu'elle était aussi extrêmement conditionnée par des faits d'histoire qui n'ont pas grand-chose à voir avec leur qualité conceptuelle. Hein, parce que, en fait, euh, l'horreur de la pensée janséniste, pour des raisons politiques surtout, euh, qui se développe autour de la personne de Louis XIV, va faire aussi que euh, la pensée de Port-Royal, d'une certaine manière, pendant un certain moment, elle va être écrasée de façon volontaire au profit d'autres pensées, jésuitiques notamment. Et après, ça va changer il y aura un retour à Port-Royal donc il y a aussi ça qui compte Port-Royal c'est pas que une espèce d'institution intellectuelle c'est aussi une institution réelle qui est prise dans les yeah. enjeux politiques de cette époque Alors, que nous dit Glitch en sociologie de la connaissance pas la plus récente mais la, pas la plus ancienne non plus, Marie S, Ariane Collins David Blur, Barry Barnes et John Henry ont exploré cette question des relations entre concept et contexte je connais que Barry Barnes, je connais pas les autres. puis c'est spécifiquement que les autres, même si c'est connexe. Mais je suis un peu nul en sociaux, je dois vous dire. Franchement. Hein. Euh, en gros, je pas lu grand-chose d'autre que Bourdieu, j'ai un peu honte, mais c'est. Et Duvigneau. Voilà. J'ai lu deux <laughs> sociologues, bravo Laurent. Euh... Ouais, Ce n'est pas du tout euh, ma spécialité. Salut. Solarius. Mais je crois qu'on s'est déjà salu. Euh... Je sais plus. Pourquoi Hobbes au XVIIe n'a-t-il pas le développement qu'il aura plus tard ben Ça doit s'expliquer par des raisons complexes, historiques, mais je crois que la rupture n'est pas dans le fait qu'on invente le sensualisme avec Locke, mais plutôt que le sensualisme devient actuel. Et pourquoi Le sensualisme est toujours contemporain des théories qui ne le sont pas, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Il y a des moments de l'histoire où il est ressenti comme une nécessité. Ouais, on emploie exactement le langage que j'employais, la question de la nécessité. Pour la grammaire et la logique de Port-Royal, il semble qu'il en soit ainsi. Peut-on alors employer le terme de rupture épistémologique qui implique une discontinuité Eh oui, en fait, il y a un tissu continu et historique, sauf qu'il y a une disponibilité des concepts. Mais la disponibilité ne crée pas la nécessité. Salut, The méphisto. Vous voyez bien que, précisément, on peut imaginer une sorte de tissu continuiste, comme ça, étendu, saisissable, mais la nécessité va décider finalement des articulations. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une réactualisation de quelque chose qui existe avant. Ça conduirait à poser le problème du statut du temps historique. Et évidemment, dans euh, les nombreuses questions qu'on aborde pendant cette série live, on a un petit problème euh, généraux. Un petit problème, euh, ouais, euh, avec euh, ces propositions c'est qu'elles excluent beaucoup la durée. La durée dans laquelle s'exerce, je dirais, toute chose les concepts, les énoncés, les discours, évidemment les formations historiques, mais ça c'est plus ou moins euh, implicite, et euh, ces effets de durée sont laissés de côté au profit d'une vision finalement euh, extrêmement localiste. On a tendance à déshistoriser. Déshistoriciser, excusez-moi, plutôt les concepts. Voilà, comme des espèces de choses abstraites qui marcheraient toujours de toute éternité, en oubliant complètement qu'ils ont des temps d'effectuation. Et euh, effectivement, il n'est pas du tout indifférent à chaque fois de tenir compte pas à la fois des contextes, mais aussi bah, oui, du jeu des durées dans lesquelles euh, se, se constituent les discours et se proposent euh, les idées. Jaillet répond. Je crois en effet que plutôt que de parler de rupture, il faudrait que si la philosophie sensualiste a pu porter ses fruits sur le terrain de la philosophie du langage, c'est grâce à la grammaire de Port-Royal. Il faudrait alors constituer toute la série des médiations qui ont permis au sensualisme d'utiliser ce qui était déjà posé par la grammaire de Port-Royal, alors que la grammaire de Port-Royal était née sur un terrain cartésien. Comme ça, on se souvient bien hein, de, des liens très très forts de Descartes euh, avec port des liens euh, effectués, euh, physiques, matériels, réels. Peut-être est-ce dans la mesure où Locke est en rupture avec Descartes, bien qu'il fasse tout de même partie de la lignée des cartésiens. je dit quand on dit rupture, on dit autre chose que quand on dit coupure. Une rupture, c'est un phénomène de décalage, de déplacement. Du répond. Il y a rupture dans la mesure où les éléments jouent différemment les uns par rapport aux autres. Ouais. Sauf que ça oublie un truc encore l'exercice de la durée. Hein. Excusez-moi, mais il n'y a pas rupture selon moi, je pense, au sens où pour qu'une idée se diffuse, il faut qu'elle se diffuse. Il y a une percolation lente. n'est pas du jour au lendemain un concept explose. Ça veut dire que tout simplement, on est à même de remarquer la diffusion d'une idée d'une certaine manière que quand elle est déjà largement présente. En vérité, une vraie recherche historique des concepts exigerait qu'on voit en quoi, tout au long de cette diffusion, ces concepts sont amorcés par petites touches impressionnistes dans d'autres propositions. Et là, on se rendrait compte qu'il n'y a pas rupture, en vérité. Il y a lente percolation des concepts. Des chevaliers dit on peut considérer qu'à partir de Descartes, il y a certains courants qui se développent et qui se rejoignent à un certain moment pour redevenir féconds. À quoi j'allais répondre Je crois que Descartes a proposé un certain nombre de thèmes que le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle vont développer, paradoxalement contre lui. Par exemple, Descartes dit qu'il y a un progrès indéfini des sciences, tout en disant que les principes de la physique, eux, sont définitifs. À l'époque de Newton, où il fallait être anticartésien pour penser l'attraction, c'est contre Descartes que les physiciens newtoniens se prononcent. Et pourtant, ils sont cartésiens à cause de l'idée du progrès indéfini. Si le cartésianisme a pu être tellement fécond, c'est parce qu'il est contradictoire. Et Descartes n'a jamais essayé d'en masquer les contradictions. Ainsi, il a pu donner naissance à des tendances philosophiques contradictoires, mais qui se réclamaient toutes de lui. Il y a tout un esprit révolutionnaire qui se veut cartésien, parce qu'on continue la lutte de Descartes contre le principe d'autorité. Mais on peut aussi très bien montrer que l'esprit cartésien, c'est le bon sens, par exemple. À quoi Mollo répond Bon, vous avez parlé d'une rupture épistémologique, moi je serais plutôt enclin à vous donner raison. Michel Jallet vient de parler de Descartes, qui déclare qu'il y a un progrès indéfini des sciences, à l'exception de la physique, qui est définitive. Michel Duchet a montré le lien entre la linguistique et une certaine conception évolutive et accumulative de l'histoire. Quand la conception évolutive et accumulative de l'histoire entre-t-elle en jeu Il y a un axe diachronique dans la grammaire de Port Royal, donc axe diachronique hein, développé dans la durée, dans le temps, si vous voulez, quoi. par opposition à synchronique, c'est-à-dire tout ce qu'on peut observer d'un système à un moment m. Là, c'est plutôt dans euh, la, la vue de sa construction. La rupture épistémologique n'intervient-elle pas à partir du moment où précisément, avec Condillac, donc et les idéologues, se fait jour la thèse de la perfectibilité de l'esprit humain, qui amène une révision complète des conceptions grammaticales. Donc euh, vous comprenez bien que selon Condillac... Cette question de la perfectibilité, elle s'oppose à l'idée innéiste selon laquelle vous avez déjà tout constitué, quoi. Un système de référence, voire même des idées implicites, vous naissez avec, quoi, avec le petit paquet, la façon de penser, euh, certains concepts fondamentaux et roule. Euh, pour qu'on dise que ça ne marche pas du tout comme ça. Pour qu'on dise que vous êtes en quelque sorte à la naissance vide, non seulement des idées elles-mêmes, mais de la possibilité de les articuler, de penser. Et c'est l'expérience du monde qui lentement va vous construire. Vous voyez ce que c'est. Euh position là pour comprendre ce qu'est un esprit humain ont d'inconciliable est-ce que ça suppose aussi de la notion de pour ça que j'étais embêté par la notion de faculté euh, et je préférais activité parce que une faculté pour parler du langage elle vous est donnée mais elle vous est donnée comme euh, paf dans un état que rien ne voudra euh, viendra modifier en gros la faculté n'est pas pensée dans une historicité elle n'est pas transformable d'une certaine façon elle est comme transformante, si vous voulez, de la condition humaine, mais en soi, elle n'est pas supposée avoir une historicité Et évidemment, c'est problématique. Vous voyez bien toute la fragilité finalement d'un tel édifice, mais est également extrêmement fragile la position de Condillac, dont on comprend jamais comment pourrait fonctionner l'idée d'un être humain vide d'avoir parce que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire la naissance est un acte de socialité qui compose déjà euh, un, une série de propriétés euh, comment, euh, dans lesquelles s'exerce une activité sensible pour le nouveau-né. Et, euh, et disons cette Construction, elle est déjà largement multifactorielle. Donc, euh, elle va jouer de l'expérience sensible, de l'intérêt, la subjectivité, des faits de langage qui entourent le nouveau-né, etc., 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 Y a-t-il un rapport entre cette conception euh, des idéologues et l'idée d'une variation historique de l'entendement humain telle qu'elle pourrait apparaître chez Leibniz Lorsque Laïnis dit le langage est le miroir de l'entendement, est-ce qu'il l'entend synchroniquement ou diachroniquement Je ne sais pas si vous comprenez cette question, elle n'est pas inintéressante. Le langage est le miroir humain de l'entendement, est-ce qu'il l'est synchroniquement ou diachroniquement Ça veut dire, est-ce que le langage se constitue diachroniquement euh, comme se constitue l'expérience sensualiste dans une lente progression de construction euh, d'un être humain et donc dans une histoire progressive, accumulative, comme vous voulez, ou est-ce qu'il est miroir comme un état du monde, euh, et l'entendement comme une propriété intégrale, en quelque sorte, déjà établie et qui ne va pas bouger, et dans ce cas-là, le langage ne se constitue pas dans le temps, mais il en est le miroir comme il est euh, tout simplement son double, si vous voulez, euh, son double dans euh, l'activité humaine, euh, voire son double dans la pensée, mais un double déjà institué, prêt à l'emploi, si vous voulez. J'allais répondre, les deux à la fois. Dans le cadre de la philosophie leibnizienne le vrai est actuel. Mais cette proposition n'a de sens que pour Dieu. Donc on avait bien compris que la monade ne peut euh, exister comme telle dans l'entendement, que dans l'entendement de Dieu. Cette proposition n'a de sens que pour Dieu qui est dans l'actualité, donc dans la totalité recouvrante de l'actualité par ailleurs. Pour les créatures qui existent, c'est-à-dire qui sont comme vous et moi prises dans le temps, dans la durée, qui ont un commencement et une fin, il peut y avoir une adéquation entre diachronie et synchronie, donc en gros entre développement dans le temps, changement dans la durée et comment, conception immédiate d'un certain état du monde à un moment M, à condition que l'existence temporelle des créatures développent dans un progrès indéfini l'actualité de Dieu. Donc euh, les créatures, d'une certaine manière, participent en elles-mêmes à cette actualité de Dieu qu'elles ne vont pas finir, hein, ne vont pas achever, si vous voulez, cette actualité, mais par l'indéfinition même de leur progrès, qui serait continu euh, et euh, susceptible de changement, euh, les créatures font écho à cette réalité synchronique, si vous voulez, qui est cette totalité, cette actualité de Dieu. Et notamment parce que est présupposée une espèce d'adéquation, finalement, entre un fondement rationnel absolu de Dieu, Dieu comme raison, si vous voulez, et le fait que l'être humain est censé fonctionner en miroir de cette raison, avec les, les moyens de cette raison et dans cette raison. D'accord Ce qui est une façon de noyer le poisson, parce que cette temporalité qui est reconnue aux créatures revient à l'année, puisque le temps ne fait que développer ce qui est donné à l'origine. On notera d'ailleurs qu'à l'époque les mêmes problèmes se posent par rapport à la, à la question euh, des Jésuites et du libre arbitre. C'est qu'il y a un petit tour de passe-passe par lequel on, on semble résoudre le problème sans jamais ôter de l'équation euh, le fait que euh, euh, Dieu connaît la fin de l'histoire. Du coup, euh, la question du libre arbitre, quoi qu'il en soit, même si c'est que dans l'entendement de Dieu, elle me semble ne pas changer grand-chose, quoi. Molo demande, je voudrais savoir s'il y a un rapport entre cette conception du langage qui apparaît dans les nouveaux essais et dans quelques autres essais de Leibniz et ce qui deviendra plus tard la grammaire des idéologues c'est s'il y a un rapport entre tout ça Duché répond, à propos de la notion de perfectibilité il me semble qu'elle est posée par Rousseau de la même manière que par Leibniz, c'est Rousseau qui emploie le premier le mot de perfectibilité il y a une différence entre parler des progrès de l'esprit humain et parler de la perfectibilité de l'esprit humain. Parce que la perfectibilité, pour Rousseau, c'est une qualité donnée à l'homme par Dieu. Mais c'est qu'une qualité, si vous voulez, qui est en sommeil. Hein, D'accord Elle ne va pas se développer comme une évidence. Euh, comment euh... C'est l'issue possible. C'est-à-dire que la perfectibilité n'entraîne pas ipso facto le progrès. Il peut ne pas advenir, si vous préférez. C'est là la différence avec Leibniz. Par contre, leur serait commune cette conception de l'histoire comme actualisation des possibles existant au départ dans la pensée divine. Bon, c'est pas très éloigné hein, de l'image du libre-arbitre donnée par les jésuites. Chez Rousseau, il y a en plus la liberté. Mais cette liberté va dans le sens de la vocation du genre humain. Donc on peut dire qu'il y a quand même quelque chose de conditionnel à une faculté du genre humain. Et elle a été décidé par Dieu, du coup, puisqu'il lui, il n'est pas à côté de l'équation, il est toujours dedans. Regardez-vous bien à cette idée, Dieu est toujours dans l'équation, il va y être encore pour un bon moment. Il faut attendre, euh, euh, Nietzsche, pour que Dieu sorte de l'équation. Dieu est encore très très présent, on pourrait l'appeler l'esprit ou l'absolu, on s'en branle, mais euh, chez Hegel, euh, il est toujours là, hein. chez Kant, il est toujours là, enfin bref. Euh... À un certain moment, l'histoire commence, mais parce que Dieu l'a voulu. C'est lui qui fait passer l'espèce humaine d'une perfectibilité en puissance à une perfectibilité agissante, qui est le moteur de l'histoire. Donc vous êtes ok avec ça. On reprend le vocabulaire aristotélicien. Il y a des choses en puissance qui sous un effet, une cause extérieure peuvent passer en acte. Donc un potentiel qui va se réaliser, si vous voulez. T'es aussi dans le pâté, chichou. Mais c'est pas grave. Vous pouvez vous laisser bercer. Vous avez le droit. C'est pas, c'est pas grave. Hein, je, je sais bien que tout ça, euh, à cette heure-ci, peut commencer à être un peu euh, fatigant. Hein, C'est quelques heures qu'on est dessus, oui, ça fait presque trois heures qu'on qu est sur ça. Ça demande des petits ajustements, on va dire. La notion de perfectibilité, dit Jalais, même si elle n'est pas nommée ainsi, apparaît tout de même dès l'aurore de la science mécaniste. Le mot est chez Rousseau, mais non chez Descartes, ni chez Galilée, ni chez Pascal. Il n'en est pas moins vrai que l'idée d'un progrès indéfini de l'homme tient incontestablement à l'institution de la science et de la physique mathématique. Et que l'origine de l'idée du ou des progrès de la raison est là. une question qui est complexe évidemment à poser. Si vous pensez la raison comme un euh, système immanent, vous ne pouvez pas en imaginer des progrès. Donc la question de qu'est-ce qu'un progrès de la raison Est-ce que c'est un progrès du formalisme par lequel la raison euh, se propose, s'effectue, ou tout simplement de... Ces conditions, on pourrait dire, même de fonctionnement, tu vois. Ouais, si je ronfle, la rontache, c'est qu'on n'entendra pas. C'est ça, Gislo. Tu peux ronfler à ta guise. On s'aperçoit qu'à partir du moment où on mathématise les phénomènes, on n'en finit pas de faire, faire des, de faire des progrès. Et l'idée d'un progrès moral est secondaire, seconde historiquement, par rapport à l'affirmation que l'homme n'en finit pas d'accumuler du savoir. Un savoir, donc. Euh, la question de la, de la morale devient complètement euh, subordonnée dès lors où, au fond, elle est déjà implicite, finalement, dans euh, l'idée euh, d'un moteur d'origine divine. Euh, donc, euh, on ne peut pas. Enfin, un plan d'actualisation entraîne l'autre. Euh, euh. Dans beaucoup de textes, Descartes dit qu'une fois institués les principes de la physique, nos neveux seront des choses que nous ne pouvons pas savoir. Je crois qu'il est vrai. De dire que chez Rousseau, la perfectibilité est un des caractères de la nature humaine donnée par Dieu. Alors, vous notez quand même l'espèce de d'optimisme étrange de Descartes. Enfin, je ne sais pas si c'est un optimisme, mais une espèce de percolation naturelle des systèmes d'idées qui ne peuvent plus se soustraire une fois qu'ils sont là. Bon, euh, tout ce que nous vivons dans l'histoire contemporaine des idées nous raconte exactement le contraire. Hein, on est d'accord. Je, je, même à l’intérieur des plans rationnels, on voit euh, des soustractions de l’apprentissage historique euh, des, des humains. Euh, là où on croit voir s'effectuer euh, une espèce d'homogénéisation d'un plan rationnel qui est quand même super illusoire. Hein. On, on est dans une période qui est ni plus ni moins superstitieuse que toutes les périodes de l'histoire. Mais à l'intérieur de certains plans, on voit euh, euh, des, des conquêtes de l'esprit s'évanouir. Euh, ça va être, euh, je ne sais pas, moi, les sciences sociales qui disparaissent chez les enfin, ça, ça il, Cet escamotage ne laisse rien. Euh, euh, promettre de, ce, de la fouette des cartes dans l'idée qu'une fois institués les principes de la physique, nos neveux seront des choses que nous ne pouvons pas savoir. Il faut entendre sur les principes de la physique, justement, le moment où, où la question de l'indéfini est devenue définie. Euh, mais cette perfectibilité ne peut pas se développer, selon Rousseau, si l'homme n'y met pas du sien. Voilà, donc Rousseau est peut-être un petit peu plus lucide là-dessus. Mettre du sien. C'est réintroduire, réinjecter de la morale, si vous voulez, euh, pour Rousseau. Maître du sien, c'est introduire une rupture par rapport à la nature, travailler. Enfin, travailler l'idée, travailler le, la morale, évidemment, travailler le concept. D'où une différence fondamentale avec l'idée leibnizienne d'un progrès indéfini. La monade leibnizienne se développe nécessairement que l'on travaille ou pas. Là, on voit bien que la question de la contingence, elle nous revient paf en dernier recours selon la façon dont on articule effectivement le rapport de finalement ben de, de, de la morale et de la science au fond. C'est l'idée d'un système qui marcherait tout seul institué sur des bases logiques sans qu'on ait à y rajouter quoi que ce soit de soi-même et au contraire la proposition de Rousseau, c'est qu'il faut y mettre du sien, Suse. <laughs> Je vais de ce pas refaire un petit pipi, après quoi on va pouvoir euh, voir le petit coup de... Le, le petit... Euh, comment... Euh, euh, ah, ça a figé, on dirait... Ah non, bon, c'est l'image du pipi qui a figé, c'est pas grave. Et voilà, me voilà, <laughs> euh, c'est l'image du pipi que tu parles une citation à la con, alors bon, en douille, hein. voilà voilà, donc on a fini, on a fini tout le passage sur Leibniz les gens, c'est pas formidable ça, hein écoutez, après ça passera à Condillac, mais je sais pas si on va faire ça... Je pense qu'un de ces quatre, on se fera quand même euh, le truc sur l'encyclopédie d'Hydro et, et d'Alembert. Soit article, les articles sur les musiques, soit euh, le très joli truc, sur... Euh, le très joli texte sur euh, l'article consacré à un métier à tisser. Parce que ça questionne la façon dont s'écrivent les sciences à ce moment-là. Euh, par ailleurs, euh, c'est un cadre qu'on pourrait aborder ensemble. J'ai un bouquin qui est assez passionnant sur l'histoire de l'écriture des sciences. Comment on écrit les sciences, comment euh, on, la, on la formule euh, à travers les siècles, c'est un aspect hyper intéressant de l'histoire des sciences qui est un peu laissé de côté, alors que c'est plutôt euh, pas mal. Alors, euh, donc, je voulais vous lire un petit passage euh, pour finir là-dessus, puisque ce serait pas mal, de Méchonique. Est-ce que vous êtes naze ou pas Est-ce que vous voulez qu'on qu s'arrête là euh, ça fait 2h52 donc si on compte le, le petit timer euh, ça fait donc 42 ça peut être pas mal et après bah, ce que vous pouvez faire c'est réfléchir à des questions si vous voulez euh... Moi, ça va m'intéresser de vous parler de ça, parce que avec euh, Méchonique, donc dans Pour la poétique 2, que voici à l'envers comme d'habitude, euh, donc gros volume sur la poétique, c'est plein d'essais euh, rassemblés euh, qui sont des interventions de Méchonik sur euh, pas mal de sujets euh, où on parle de poétique, de traduction de la poésie, c'est assez chouette. le Sous-titre épistémologie de l'écriture poétique de la traduction. Bon, ça fait pas rêver comme ça, Solarius. Qu'est-ce que c'est que cette abomination c'est très mal, c'est très très vilain. Qu'as-tu fait euh... Alors allons-y. Un petit bout de missionnique juste pour le plaisir. Extrait de sémiotique et poétique. Juste pour renvoyer à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a commencé le, le live par euh, une euh, proposition euh, théorique, euh, à savoir démontrer en quoi le langage est une activité et en quoi la langue n'est pas un outil. J'espère que ça c'est assez clair maintenant. Et euh, j'y vais. On va aborder avec Méchonique là le discours, c'est-à-dire les processus de subjectivation qui sont au travail dans, euh, dans les faits de langue et dans l'opération langage. Notamment, ce qui intéresse beaucoup Meshwenik, c'est sa spécialité, hein, c'est la poétique. C'est avant tout un poéticien, c'est là-dessus qu'il a le plus écrit. Il a beaucoup traduit aussi, on lui doit des, des très très belles traductions, notamment de la Bible. Alors, c'est ça, c'est un beau titre, hein, Suz. <laughs> on y va. La réalité d'un objet n'étant pas séparable de la méthode propre à le définir. Donc, Benveniste parle de termes qui créent leur propre. Concept. Le travail de la poétique est la scientificité d'une étude de l'écriture, de ce mode particulier d'énonciation que je ne dirais plus écrite. L'écriture fond dans sa pratique l'opposition courante intralinguistique du parler à l'écrit, en un mode spécifique plus proche de l'oral, au sens des littératures orales, civilisations orales. Et on est loin de la notion de registre. Benveniste note l'écrivain s'énonce en écrivant, et à l'intérieur de son écriture, il fait des individus s'énoncer. Bon, ça, on l'a évoqué tout à l'heure par rapport, je dirais, à l'activité langage tout entière, hein, de l'énoncer de soi par l'énoncer. C'est-à-dire quand vous signifiez ce que vous signifiez avant de signifier quoi que ce soit d'extérieur à vous, c'est vous-même évidemment que vous signifiez. Qu'est-ce qu'il dit, Benveniste L'écrivain s'énonce en écrivant, et à l'intérieur de son écriture, il fait des individus s'énoncer. De longues perspectives s'ouvrent à l'analyse des formes complexes du discours à partir du cadre formel qu'il esquisse. Donc l'antinomie banale du général au particulier est ainsi renouvelée. Puisque les relations signifiantes du langage artistique sont à découvrir à l'intérieur d'une composition, L'art n'est jamais ici qu'une œuvre d'art particulière. Donc l'art d'écrire n'est qu'une œuvre d'art particulière. C'est vrai qu'on a tendance à séparer le fait de littérature des autres travaux artistiques, or Bédvenis refuse, quand il dit que les relations signifiantes du langage artistique sont à découvrir à l'intérieur d'une composition. Ce particulier au statut mouvant opère dans le sémantique, donc dans le fait de, de produire du sens, si vous voulez, dans cet espace-là, l'espace espace de la production du sens. Penser n'est pas qu'appliquer des modèles préexistants. Dire style, manière, en les opposant à langue, c'est un frein pour une pensée neuve. Cette séparation, elle se fait tout le temps. On imagine, par exemple, enfin... Déjà, on imagine souvent qu'il existerait un, un zéro rhétorique, un endroit duquel le, le rhétorique serait exclu, qui existerait quelque part, où en gros, il n'y aurait jamais de mise en scène, de thé théâtralisation et d'artifice euh, du discours, où il serait juste pure communication. Évidemment, je, je, ça n'existe pas. Euh... C'est qu'il y a intentionnel... Alors, pardon... Dire style et manière en les opposant à la langue devient un frein pour une pensée neuve. Ce qui y a d'intentionnel dans la motivation gouverne obscurément la manière dont l'inventeur d'un style façonne la matière commune et à sa manière s'y délivre, donc s'y constitue si vous voulez, y apparaît. Quand on est trop attaché à, euh, à l'idée d'une intention, à l'idée en gros qu'un gars veut dire un truc et il cherche une forme pour le dire, on oublie ce que de lui-même il dit. Ces mots empêchent de poser le problème du sujet et du jeu de l'écriture, de l'inconscient, si vous voulez, dans le langage d'une œuvre, du rapport entre écrire et vivre. Benveniste oppose la poésie à la langue comme l'ambivalence à la logique de l'identité universalité, richesse du signifiant, motivation, syntaxe de la succession. Reprenons à Freud cette symbolique inconsciente et son domaine de la symbolique inconsciente donc le folklore, les mythes, les légendes, les dictons, les proverbes, les jeux de mots. Il retrouve tout cela dans la notion de style. C'est dans le style plutôt que dans la langue que nous verrions un terme de comparaison avec les propriétés que Freud a décelées comme signalétique du langage générique. Donc, si vous voulez, euh, chez Freud par exemple, ce que vous pouvez raconter euh, des faits du rêve ont une très faible importance. Donc, Freud en finit à euh, sa, sa manière avec la symbolique des rêves. Avec lui. C'est fini la lecture talmudique de, du rêve où chaque objet vient prendre une place particulière. Non, évidemment, ce n'est pas du tout ça qui intéresse Freud. Ce qui intéresse, c'est l'effet de langue c'est comment vous racontez vos rêves, c'est quels mots vous allez employer pour en parler. Il ne cherche pas les objets il, il s'en fout de savoir si vous allez parler d'une abeille ou, ou d'une pipe ou d'un cheval il n'en a rien à carrer. Ce qu'il veut voir, c'est tout le processus énonciatif. Par lequel le sujet dit quelque chose de lui-même. Et eh bien voilà d'un coup ce que. Euh, là où euh, Benveniste, qui pourtant est linguiste, va commencer à vous parler du sémantique, il va le placer à cet endroit-là finalement. Dans la littérature, il le place dans le style. Mais les proverbes sont apparemment de la langue. Les jeux de mots et le reste aussi. Alors où commence le style Style est si dilué que ce n'est généralement plus un terme. Un récit de mythe fonctionnerait alors comme l'écriture et si on évoque une rhétorique de l'inconscient, on découvre rien, parce qu'on utilise une catégorisation dont les présupposés linguistiques et philosophiques sont justement à mettre en cause. la spécificité de l'écriture, comme énonciation, est qu'elle constitue chaque fois un système de signifiance, c'est-à-dire que elle rend visible sa façon de se constituer, elle ne distribue pas des significations. Vous voyez, et ce système est presque invisible puisque cela passe et se passe dans la langue et n'a guère été saisi que comme style dans, pour ou contre la langue, c'est-à-dire une image assez fausse d'une utilisation. Alors déjà, on l'a vu hein, dans l'autre sens, une pensée instrumentale de la langue, c'est imaginer que la langue est un outil. Mais il y a aussi l'idée qu'on puisse l'utiliser elle pour produire des récits, comme si au fond l'écrivain ne parlait pas. Comme s'il n'avait pas une vie linguistique propre et qu'il pouvait avoir une distance quelconque par rapport à la langue et par rapport au langage. Benveniste dit du peintre l'artiste crée ainsi sa propre sémiotique, donc son propre système de signes, si vous voulez. Il institue ses oppositions en traits qu'il rend lui-même signifiant dans leur ordre. Donc il compose, si vous voulez, un système de signes qui a même pas besoin de se référer. Euh, à, euh, des identités euh, de sens, c'est plutôt une composition d'une sémiotique, c'est-à-dire d'un système de signes avec son ordre propre, son gouvernement propre, hein, un empire qui est celui d'une raison intérieure à exister, euh, qui va constituer, si vous voulez, la manière du peintre. De même, dans l'écriture, il y a système et non-retendance des systèmes. De même qu'on ne dit pas la même chose en parole, en musique ou en peinture, on ne peut pas non plus convertir en autre unité de langue ce qui est dit dans et par l'écriture. Un poème ne se traduit pas en langage courant. Ça, c'est une idée très très brillante quand même. Je la refais parce que c'est super bien. Vous voyez toute la profondeur de cette chose très simple qu'il dit. De même qu'on ne dit pas la, la même chose en parole, en musique ou en peinture, on ne peut pas non plus convertir en autre unité de langue ce qui est dit dans et par l'écriture. Un poème ne se traduit pas en langage courant. Et là, vous voyez aussi toute l'impasse quand on n'en tient pas compte à imaginer la translation disciplinaire artistique, à savoir faire un film à partir d'un roman. Euh, toute cette espèce d'idée selon laquelle on pourrait dégager des unités de langue communes et tout simplement les resituer ailleurs dans un autre plan. Eh bien, quelque chose de critique est dit à ce sujet dans ce texte. Le rapport est celui que signale Benveniste d'un système interprétant à un système interprété. La poésie est le système interprété, la langue est le système interprétant. Mais au contraire de ce qui a lieu pour les autres systèmes de signes, les signes de la société, ils peuvent être interprétés par ceux de la langue, mais pas l'inverse. La langue ne peut pas interpréter intégralement l'écriture qui se fait pourtant dans la langue. On comprend plus ou moins et plus ou moins vite. Moins que la musique, que Benvenis prend comme exemple, mais dans une mesure dont toute la poétique est une approximation, l'écriture opère dans la sémiotique du signe linguistique. Elle fait apparaître une sémiotique du signe linguistique. Vous voyez, elle constitue finalement un système de signes à part entière. Elle n'est pas uniquement référée à ce sur quoi elle s'institue, à savoir dans la langue. Elle est individuelle. Elle a un statut qui est, pas, qui est toujours pas défini dans la langue. Elle ne fait d'ailleurs pas que s'en éloigner. Et s'en éloigne-t-elle d'ailleurs L'œuvre est ce système qu'elle constitue avec les propriétés que Saussure a reconnues à ce qui fait système. L'œuvre n'a nul besoin d'être réhabilitée parce que le mot œuvre a eu un usage idéaliste. Un mot ne fait pas l'idéalisme, mais l'idéalisme prend un mot isolé. Elle n'est pas système de langue, elle est système dans le discours. Résolution toujours spécifique de problèmes toujours nouveaux. Elle se transforme, reconnaissance de forme sens, à mesure qu'elle se produit en elle. Une histoire, non un faire, mais un se-faire. Le rythme est peut-être son signifiant majeur. Et on n'est encore qu'à la préscience d'une étude de ce que pourrait être le rythme, interaction du rythme et du sens. C'est un système souillé-référentiel, souillé-constitutif, donc souillé selon la référence, selon la constitution. Il produit sa référence en même temps qu'il la désigne, construction autant de lecture que d'écriture. Ça, c'est hyper intéressant hein, de voir en quoi il y a une consubstantialité, si vous voulez, euh, des plans d'exercice d'une chose et du plan pour lequel cette chose est l'objet vers lequel nous tendons. C'est à la fois objet et trajet, en quelque sorte. Voilà, donc c'est. Ce n'est pas, pas un texte euh, très simple, hein, le, la poétique 2 de, de Méchonic. De manière générale, les textes de, de sont ne sont pas des textes extrêmement simples. Mais ça m'intéressait, après avoir si souvent parlé de Méchonic avec vous, avoir évoqué toute la richesse finalement de sa position euh, euh, dans le monde euh, linguistique, c'était intéressant évidemment de, de voir avec vous à quoi ça ressemble vraiment euh, Méchonic quand on met le nez dedans, euh, comment ça parle Méchonic. L'intérêt évidemment de, de Méchonique, c'est euh, de prendre très au sérieux dans l'espace théorique la question de l'écriture. Là aussi, quand on parle d'un univers dans lequel le zéro rhétorique euh, existerait, à quoi on pense en premier chef On pense toujours, on en revient à notre sujet finalement, au cadre de du descriptif scientifique, de du discours savant qui s'encombrerait pas de choses comme la manière. Euh, le style, le rhétorique, mais qui chercherait juste à aller droit, droit au but, évidemment. Tout ça n'est qu'une fiction, euh, une fiction écrite sur la langue savante. Évidemment, elle n'a cours nulle part ailleurs que dans le fantasme du zéro rhétorique que je vous évoquais. Alors, de quoi vous parlez, bande de zozos Vous êtes très bavard d'un seul coup. Alors, vous êtes encore sur le renversement de lecture. Le travail de la peau éthique, c'est quand tu tatoues pas n'importe quoi. What an incredible Excellent, euh, on te voit appeler au chemin aux secours pour être communiste qui a fait ça. Ah oui c'est vrai qu'à l'envers, ça ressemble à ça. Un peu tenu dans le chat, tu oses dire ça. Hein, les signes de la société, c'est quand il donne le droit de vote aux oiseaux. Bon, sur les signes et les signes quand même, hein, vraiment, Suze, hein. je ne sais pas si euh, ça mériterait là un coup de chapeau. Bon, écoutez, les oiseaux. Euh, qu'est-ce que ce serait dis donc, si on s'adressait les unes aux autres comme des brochettes de spécialistes effectivement et savez pas ce que nous faisons j'espère sur cette chaîne j'espère bien qu'on arrive ensemble à se guérir un petit peu de l'idée qu'il y aurait que finalement une seule forme à donner digne de ce nom euh, euh, de la lecture euh, aussi bien de la lecture savante d'ailleurs que de la vulgarisation parce que l'éthique rhétorique si vous voulez euh, sont aussi des formalisations d'un des, moment de l'idée reçue et euh, au moins autant que le timbre euh, journalistique qui chaque décennie euh, épouse une étrange mélodie euh, qui caractérise euh, les fantasmes du discours d'un certain moment et bien la façon de dire la, la science et la façon de dire la vulgarisation sont deux plans euh, de l'expression imaginaire, de la bonne façon de dire les choses. Solarius vient surtout pour les calembours, je pense que tu n'es pas le seul salopard. <laughs> C'était passionnant cette série de live eh ben, merci beaucoup Lucie. Euh, mes chers oiseaux, je ne sais pas du tout qui est en live et j'ai l'impression qu'il y a euh, Zobi, personne, Nib, que dalle, rien et c'est la merde, je ne sais pas du tout où raider. Je ne vois que les loutres, que marine m'a je ne vois personne. Il y a des gens mais je ne sais pas qui c'est, donc... Euh, ouais. Est-ce que vous avez une euh, petite suggestion pour euh, raider quelque part alors, en comptant le chat, on n'est clairement pas un très spécialiste. Oui, Lucie. Et d'ailleurs, vous faites tous et toutes beaucoup d'efforts pour me rappeler à cette réalité. <laughs> bah, si vous n'avez pas d'idée euh, où raider, que faire Il y a aussi les canards. Bon, entre les canards et les loutres, on n'est pas fauché. Donc on va laisser tomber. Il euh, y a Sentier Battant. C'est quoi Sentier Battant en Suisse bah, Pourquoi pas ça s'écrit tel que tu l'as écrit Dis-moi ce que c'est et vais... on va faire ça. Alors, raid, Sentier Battant. Alors s'il n'est pas en train de jouer par contre, ce serait bien. Enfin, ça ça m'embête de vous faire découvrir des chaînes quoi, dans leur moment euh, de jeu. Je préfère vous les faire découvrir dans les moments où elles sont au cœur de leur sujet. Mais euh, voilà. Donc écoute, je ne sais pas qui est Senti. Badon, ben, ça va me permettre de le découvrir en même temps. Euh, je vais dans ce cas-là mettre mon casque pour entendre ce qui se dit. Alors, Mewstel et Kirel, ouais. Ben, Mewstel, on avait raidé il n'y a pas si longtemps. Et... Mais en fait, je ne suis pas sûr de d'en apprécier tant que ça le contenu. Je suis content qu'elle existe, mais euh, je n'y reste jamais. Donc. Euh voilà, donc je vais aller chez Santé Battant qui n'est pas en train de jouer, je vais découvrir ça en même temps que vous, à tous et toutes je dis bonsoir, j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de la Ignis, de ceux qui pensent la Ignis, de méchonique et de moi-même et je vous dis, bah là on se retrouve chez Santé Battant et on se retrouve bientôt pour un live spécial du 24 décembre où normalement il y aura du jeu, du dessin, des lectures concerts, etc si tout va bien Alors est-ce que ça a fonctionné